vai, tira. Tiro di Kakà. Fatto il capitano. Il tiro. Attenzione sul secondo palo. Palla Specci, parte il tiro, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione. Bonsoir à tous et bienvenue sur Team Serie A, la chaîne YouTube 100% football italien. Ce week-end, c'était la 30e journée, il y a eu de très très beaux matchs. Il y a aussi beaucoup d'actualités semaine dernière. C'est vrai qu'en plus, lundi dernier, on n'a pas pu faire le live, donc on a quand même pas mal de choses à dire et à rattraper. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur ce live. Et pour parler de tout ça, j'ai une belle team ce soir. Alors, il y a un nouveau que je vais présenter à la fin, mais je vais me présenter tout d'abord Gualtiero P5. Hein. Bon, je fais aussi partie de la team Benamata. Hein. En tout cas, comment vas-tu, mon ami? Bah écoute, ciao Michele, ciao Elvin, ciao Odin, il va savoir pourquoi j'appelle comme ça. Écoute, ça va, toujours content de revenir sur cette magnifique chaîne qui est Team Serie A. Ça fait longtemps en plus, c'est vrai que ça fait quoi, 3 semaines que je n'étais pas venu. Donc, trois semaines, ouais, c'est ça. En plus, lundi dernier, ça a sauté. Donc, mais bon, en général, tu vois, plus on allonge le temps, plus les retrouvailles sont belles. Donc ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir. Et puis on a pas mal de choses à dire, hein, pas mal de choses sur lesquelles revenir. Donc content de voir ça avec vous, les amis, évidemment. Bah exactement, en tout cas, comme dit, hein, n'hésitez pas à donner de la force à notre ami Gualtiero P5, à qui se donne du mal pour mettre en avant notre très chère Serie A, à commenter. En plus, des fois, c'est des matchs très, très, très soporifiques, mais tu es toujours là, bravo. Bon, ces 15 jours te feront du bien quand même, un peu de vacances? Alors, pas des vacances, parce que comme j'ai dit, tu vois, il y a juste les live commentaires. Voilà, pendant après, je me permets de prendre 15 jours pour avancer sur 2-3 petits trucs qui sortiront après. Mais bon, c'est vrai que ça va me libérer quand même du temps. Et après, voilà, aussi, tu vois, la trêve, c'est pas une trêve complète très passionnante. On va la suivre de l'extérieur, mais on pourra y réagir quand même. Ici, sur Twitch ou quoi, même avec la Benamata. D'ailleurs, les amis, je tiens à faire passer le message. Merci pour les 200 abonnés pour la Benamata. Hein, je pense que Karim aurait dit pareil. Ça fait plaisir. Merci pour votre force. On vous remercie. Là, comme dit, n'hésitez pas aussi à donner de la force à la team Benamata hein, sur YouTube et sur tous les supports de podcast. Voilà, c'est ça, c'est le moment. J'ai avec nous aussi Elvin, bon, qui est là, ça fait maintenant plusieurs fois que tu viens. Elvin, hein, qu'on connaît tous, journaliste spécialisé Juventus. En plus, tu reviens de là, de chez nos amis de hors-jeu. Toujours un plaisir de t'avoir et merci beaucoup. Comment vas-tu, Elvin? Bah bonsoir messieurs, ça est toujours un plaisir. Je le répète, mais ce générique, moi, il m'anime. C'est ce générique, je l'entends. Ça, allez, et je le dis à chaque fois, bientôt la vidéo va changer. Je vous jure. Je vous jure la chaîne. Le son doit rester. Le son va rester, mais on va changer un peu l'animation là parce que là, ça, y a vraiment zéro mec, mis à part moi, de la vidéo qui sont sur le live. Hein. Donc bon, en tout cas, on va le remettre à jour. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être là. En plus, il y aura pas mal de choses à parler. Notre très cher Max Allegri a fait pas mal parler de lui ce week-end à travers les résultats, mais aussi à travers certaines choses qu'il a dit en conférence d'après-match. Et ça a un peu bougé aujourd'hui. Alors, il y a des infos, vraies ou fausses, on ne sait pas. Bon, vu que toi, tu es assez fiable, tu nous diras quelles sont les vraies, quelles sont les fausses. Ben, avec plaisir, avec grand plaisir. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Et donc, on a un nouveau donc, qui s'appelle Vincenzo, plus communément ce Rossonero débrief. Donc, toi aussi, tu as ta chaîne YouTube. Tu es milanais, ben, j'imagine. Voilà. En tout cas, mille merci d'être là. C'est la première fois que tu viens. Comment vas-tu? Je vais bien. Une petite chaîne YouTube. Hein. J'ai 58 abonnés. Hein. J'ai commencé il n'y a pas longtemps. Quoi. Ben, écoute, on a tous commencé gaming. Comme ça. Hein. Moi, je fais une chaîne. En fait, je suis souvent live sur Twitch, mais c'est surtout là-bas, j'ai fait une chaîne gaming. Et puis après, ben, mon père m'a dit ouais, t'es fan du Milan depuis tout petit. Lance-toi, ouais, je dis pas, bah, tant qu'à faire. Hein. Ok. Voilà. Bah écoute, en tout cas, donc toi, t'es plus Twitch, donc donner de la force à notre ami Rossonero débrief. Pas besoin d'être fan du Milan, hein, pour. Je pense que tu fais que avec ces Milan ou tu fais quand même quelque chose de plus général hein. Je fais que à 6 Milan, mais dans les débriefs du Milan, en général, je parle un peu de la Roma, enfin, tu vois, je parle un petit peu de certaines équipes. Ici, bah, il n'y a pas longtemps, je parlais un peu de la Juve, tu vois, avec Allegri. Je parle souvent, de temps en temps, avec des viewers de Gual,
Thomas Sofiane et tout ça. Il y a aussi Antoine Nerazzurro, tout ça. Après, comme j'ai dit, moi, j'aime le football italien avant tout. Je ne suis pas un amateur de club. Même s'il y a des rivalités entre clubs, je ne sais pas comment ça crache sur la Juve, sur l'Inter. Tu vois, c'est plus... c'est le sport avant tout, quoi. C'est le fair play avant tout. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux, écoute. On verra. Maintenant, tu vas être à l'épreuve ce soir. On va voir ce que tu as à dire. C'est un peu ce qui s'est passé cette semaine et ce week-end. En tout cas, merci beaucoup tout le monde d'être là. Je voulais quand même saluer certaines personnes dans le chat qui sont là depuis le départ. Il y a Antoine Nerazzurro, la Capolis, la Seneva. Ah oui, bah vous pouvez faire que des petits matchs jusqu'à la 38e, ça devrait passer. Il y a qui ? Il y a Milind, Roxa, nos amis milanais. Il y a Losange Gaming Production. Première fois que je te vois. Comment vas-tu ? N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et merci d'être là sur le live. Il y a Moby Dick, il y a Fede qui nous a rejoint de la team Bene Amata. Il y a qui encore ? Là, ça a parlé. Sylviane, notre ami Juventina, come stai ? Il y a Italiano 442, hashtag Allegria. Bah oui, hein, comme d'habitude. Hein. Samy Lamar qui nous a rejoint. Comment vas-tu ? Vincent, Force Napoli. Vincent, notre ami barcelonais. Eh oui, bah, on va parler. On va parler, bien entendu, tout à l'heure. Du match entre le Napoli et le Barça. Click Marketing, on entend mal Cristiano. C'est qui Cristiano ? Il n'y a aucun Cristiano, non ? Peut-être c'est moi, je ne sais pas, on m'entend mal ? Non, t'entends bien. Non ? Ok, d'accord. Bon, il y a Bertie qui nous a rejoint. Comment ça, Bertie ? Je crois en plus, il a aussi sur Twitter, si je ne dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, voilà, il y a qui en là ? Ben voilà, le supporter de Liverpool, comment vas-tu ? Il y a mon frère Gabriel qui s'approche petit à petit du mariage. Bien connu, 7 à 8, Valentin Youve. Et bon, voilà. En tout cas, mille merci d'être là et n'hésitez pas à réagir sur le live. Je vous lirai en fonction des sujets qu'on va mettre. Voilà. Alors, on va faire simple. On va d'abord, comme d'habitude, débuter sur les actualités de la semaine. Et il y a eu des actualités. On va tout d'abord parler. Je voulais d'abord parler, comme vous le savez, hier fin de journée, il devait y avoir un match à 18h, c'était le match entre la Fiorentina et l'Atalanta, match qui a été reporté suite en fait à un arrêt cardiaque de Barone, qui est le directeur sportif de la Fiorentina, Joe Barone. Alors il faut savoir que des dernières nouvelles que la Fiorentina a publiées, il est toujours en soins intensifs et que pour l'instant il tient vraiment grâce aux machines. Donc pour l'instant, c'est pas de bonnes nouvelles. On espère vraiment que peut-être, voilà, ces prochains jours, ça peut aller mieux. On va pas débriefer là-dessus, je pense que voilà, la Serie A a bien fait de déplacer ce match. Non, j'imagine, Alvin, c'est tout à fait normal après ce qui s'est passé. Non, oui, je pense que les tifosi. Se sont dit mince, on s'était déplacé, etc. Mais on vite dû comprendre que voilà, il y avait bien plus important. Je ne vais pas rentrer dans la vie privée parce que c'est pas quelque chose que j'apprécie faire. Donc, je souhaite tout le meilleur à Barone et tout le meilleur à la Fiorentina dans cette période compliquée et en espérant qu'il y ait des bonnes nouvelles rapidement. Ouais, vraiment, c'est clair. Toi, tu l'as pris comment hier au bois la suite Écoute, on a tous été forcément un peu surpris parce que l'information est arrivée d'un coup. Après voilà, hein, malheureusement, comme ce qui lui est arrivé aussi est quelque chose d'assez direct, on peut pas forcément l'anticiper. Je suis obligé, et logiquement, on est tous d'accord là-dessus, je pense, de rejoindre Elvin. Hein. Forcément, aujourd'hui, le match comptait peu et j'ai envie de te dire, de façon un peu froide, est-ce que ça servait de jouer ce match dans ces conditions ? Est-ce que les joueurs allaient avoir la tête à ça ? Franchement, il n'y avait aucun intérêt de le faire jouer, donc bonne nouvelle et... précieuse décision quand même si ça a été fait 45 minutes avant le coup d'envoi, et puis on verra quand est-ce qu'ils vont quand même remettre le match, même si aujourd'hui évidemment que nos pensées vont au directeur sportif et à toute la famille Viola qui doit évidemment être bien inquiète, hein, parce que c'est un homme important quand même du sportif du côté du club florentin. Non, c'est clair, il fait quand même partie un peu de ce renouveau, de ce nouveau plan, on va dire, qu'a mis en place la Fiorentina depuis son rachat de l'Italo-Américain Comiso. Et c'est vrai qu'il a une place importante. Et voilà, on espère vraiment tout cœur que ça puisse aller bien de son côté. Il pensait vraiment toute sa famille. Toi, tu voulais rajouter quelque chose, peut-être Vincenzo, autour de ce qui s'est passé ? J'étais aussi autant étonné que vous. Au début, j'avais vu reporter parce que je voulais regarder le match. Sur Flashcore, il disait pas quoi, donc après j'ai vite regardé, j'ai vu que c'était Barone, donc
comme Gual l'a dit, hein, force à sa famille, plein de courage et d'ondes positives. Bon, en tout cas, le match, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il va être reporté. C'était quand même un match important. C'est un match pour voilà, une qualification aux places européennes. La cinquième place qui peut-être, qui va être sûrement même qualificative, là, avec des champions. Donc, il y a que quelques points qui séparent ces équipes de cette cinquième place, qui est pour l'instant prise par la Roma. Donc, voilà, match important qui va être repositionné, on ne sait pas quand, mais on vous tiendra au courant. Nouvelle un peu plus fraîche, c'était tout à l'heure, il y a un certain Tudor qui est arrivé du côté de la Roma. Il a débarqué à Fiumicino en fin de journée. Il est allé signer son nouveau contrat avec la Lazio c'est plutôt Sarri qui a démissionné de ses fonctions semaine dernière. Résultat final, donc, ils ont pris Tudor, qui a signé un contrat jusqu'en été 2025, avec option sur l'année suivante. Toi, Elvin, qu'est-ce que tu as pensé de cette arrivée de Tudor, hein, Tudor qui retrouve quand même un banc après son expérience à Marseille? Je vais te dire, je souhaite le meilleur à Tudor, parce que moi, c'est mon idole. Ça a toujours été le joueur que j'ai apprécié, et je le souhaite en tant qu'entraîneur, parce que je pense qu'il a énormément de qualité. Sur les bancs où il est passé, notamment sur les, on va dire, dans le top 5 européen, il a toujours quasiment fait de bonnes choses. Il y a eu une fin compliquée à Marseille, mais dans l'ensemble, c'est un très bon entraîneur. Je le souhaite le meilleur à la Lazio, parce que je pense que malgré les moments compliqués qu'est en train de vivre la Lazio, il y a de la qualité dans cette équipe. Il y a un effectif qui a largement la capacité de mieux faire. Il fallait passer à autre chose, Sarri l'a compris, donc ça va pas être simple d'ici la fin de la saison, parce que c'est pas en 8 matchs que Tudor va réussir à implanter une certaine idée footballistique qui est un peu différente de celle de Sarri. Mais je pense que sur le long terme, ça peut marcher, surtout si on donne un peu plus de pouvoir sur le mercato à Tudor, parce qu'on sait qu'il a des idées qui peuvent parfois coller. Malheureusement, sans Europe, la Lazio n'aura pas de moyens économiques, donc c'est un petit peu le point négatif. Maintenant, je pense que si Tudor a accepté la Lazio, c'est qu'il a un plan bien clair et que la direction lui a promis certaines choses. Donc voilà, je veux croire en ce que peut représenter Tudor pour la Lazio. J'espère qu'il va faire de bonnes choses. Alors, à savoir, comme tu l'as dit, la Lazio, pour l'instant, qui est 9e, elle sort quand même d'une victoire contre Frosinone à l'extérieur avec un ce doublé de Tati Castellanos, hein, alors qu'il était sur un partout, il est rentré, il a mis ce doublé. La Lazio qui est quand même allée à la 7e place, donc qui est juste à 2 petits points du Napoli 7e. Toi, qu'est-ce que tu as pensé, toi, Gual, de cette arrivée? Et en fait, on le sait tous, hein, Tudor qui est quand même adepte un peu de cette défense à 3 avec sur les côtés ses pistons. Toi, est-ce que tu penses qu'il va quand même modifier la chose, et peut-être la Lazio reviendrait à son système originel sous Inzaghi, avec ce fameux 3-5-2 ou 3-4-2-1, voilà, appelez-le comme vous voulez. Bah écoute, le changement d'entraîneur du côté de la Lazio, on savait qu'il allait intervenir. Il est arrivé un peu plus tôt que prévu avec le désistement de Sarri. C'est vrai que c'était aussi quelque chose qui était un peu dans les tuyaux depuis pas mal de semaines. Hein. La rumeur Tudor qui revient en Italie, on l'a eu avec insistance du côté de la Juve. On avait déjà évoqué la Lazio, donc on s'y était peut-être déjà un peu préparé. Mais je reste quand même assez intrigué par cette arrivée de Tudor dans un timing qui peut sembler quand même cohérent, parce que ça permet quand même aux techniciens croates de préparer un petit peu, tu vois, de ne pas arriver non plus à la va-vite. Il a quand même 2 semaines pour préparer un minimum de choses et commencer tout simplement à bâtir son équipe, même si évidemment c'est à partir de la saison prochaine qu'on va vraiment s'intéresser à ce que va mettre en place Tudor. Et justement, tu vois, au niveau de cette animation tactique, on sait, voilà, hein, on le connaît, nous en Serie A, c'est un entraîneur qui est adepte de la défense à 3. J'ai hâte de voir comment il va manipuler cet effectif qui, comme l'a dit Elvin, a beaucoup de qualité évidemment, mais après qui n'est pas du tout construit pour quelque chose du style. Et j'ai aussi envie de voir comment il va s'occuper de certaines individualités, hein, des hommes forts du côté de la Lazio, notamment sur cette saison. Et le premier auquel je pense, on est obligé d'en parler, c'est Matteo Guendouzi, hein, qui est parti de l'OM à cause de lui, entre guillemets, et qui finalement va le retrouver. Donc j'ai hâte de voir au niveau de cette gestion, est-ce qu'il va lui laisser une place ou est-ce qu'il va directement le blacklister. Mais je pense évidemment à d'autres joueurs, tu vois, par exemple les ailiers comme un Philippe Anderson, un Zaccani, comment il va les faire s'animer autour d'une pointe dans son 3-4-2-1 qu'il a l'habitude de mettre en place, Luis Alberto, quel poste il va avoir. Donc vraiment pas mal d'interrogations sur cette Lazio, mais j'ai envie de te dire, ça pouvait pas être pire finalement qu'avec Sarri. Et après, il faut quand même noter que la Lazio, là, tu vois, j'ai le classement devant les yeux, elle est qu'à, c'est déjà énorme, tu vois, mais il y a 8 points, je crois, 8 points sur la Roma qui est 5e. Je te dis pas que la place pour la Ligue des Champions est encore possible, mais faut se fermer aucune porte, quoi, on sait jamais. Regarde la Roma, il y a 2 mois, est-ce que tu m'aurais dit qu'ils étaient 5e? Qui serait 5e, pardon. Non. Après, là, il y a de grosses échéances, hein, tout de même pour la Lazio. Ça commence déjà après la trêve, tout de suite avec ce match face à la Juve, donc à la maison. Après, tu as quand même cette demi-finale aller
de nouveau face à la Lazio, face à la Juve, pardon. Par contre, là, ça se déplace du côté du Juventus Stadium. Après, tu as ce fameux derby Roma-Lazio, où là, tu peux potentiellement récupérer 3 points. Et après, tu as quand même… Alors, quand je dis c'est abordable, c'est-à-dire sur le papier, mais c'est sûr qu'en fin de saison, aller jouer ces petites équipes qui ont besoin de points précieux pour rester en vie et du côté de la Serie A, c'est toujours compliqué. Et après, tu enchaînes Salernitana, Genoa, tu fais ton retour contre la Juve et après, voilà, tu as quand même 3 matchs assez abordables où après, tu as encore après la LAS. Mais on va dire que ces deux matchs, ces deux grosses échéances côté Lazio, c'est clairement c'est Juventus et après, tu enchaînes avec le derby de Rome. À savoir que la Roma n'a, je crois, pas gagné un derby depuis, enfin, sous ça, quand il y avait Mourinho, je crois, non, si je ne dis pas de bêtises, ou un seul. Ouais. Donc, je pense que la Roma, oui, ça fait quelques années qu'elle ne gagne pas ce fameux derby. Je pense qu'ils auront soif d'absolument gagner ce derby avec Daniele De Rossi. Toi, Vincenzo, cette arrivée de Tudor, après, je vous lis dans le chat, dites-nous ce que vous en pensez de cette arrivée de Tudor. Moi, je pense vraiment que c'est une très belle, une très bonne décision de Lotito, même si, bon, Lotito, on sait très bien qu'il peut avoir des coups de sang comme ça. Mais comme Guilain disait dans le chat, c'est la mieux. Enfin, que Tudor signe maintenant, bah, ils sont déjà 9e. On peut dire qu'entre parenthèses, si les résultats ne viennent pas, la saison, on va dire, est globalement finie pour la Lazio. Maintenant, ça va permettre de préparer le mercato estival, de voir quel joueur Tudor va vouloir maintenir, quel joueur Tudor ne comptera pas dessus, tout ça. Et honnêtement, Tudor, à l'OM, c'était bien. À Vérone, quand ils ont terminé dans le top 10, c'était pas mal aussi. Je pense qu'en plus, Tudor a bien fait signer au Lazio, parce que t'as l'OM en France, puis tu dis t'as la Lazio, c'est pas qu'il passe à un top club en Serie A, qui risque de se brûler les ailes. Il gravit les échelons petit à petit, la Lazio reste quand même un grand club d'Italie. Ouais, ils ont été deuxième l'an passé, même si cette saison avec Sarri, la sauce t'a pas pris, mais moi je pense vraiment que ça va faire du bien, on va avoir une nouvelle Lazio, et j'ai hâte de voir ce derby romain. Écoute, juste, alors, Losange Gaming Productions, c'est la première fois que tu es dans le chat. Écoute, je te connais pas. C'est vrai que, en tout cas, tout le monde est bienvenu. Par contre, dans le chat, il y a un minimum de courtoisie à avoir avec les autres viewers, avec les autres personnes qui écrivent dans le chat. Je te demande vraiment d'arrêter un peu d'écrire tout ça sur le chat. Clairement, si voilà, j'ai vu que t'as un peu insulté un peu tout le monde. Donc, s'il te plaît, sois correct dans le chat, sinon je serai obligé de te ban. Voilà. Écoute, salopard. Voilà. Hein, qu'est-ce que je te dis là? Allez, hop, on passe à la suite. Ok. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé encore du côté de l'Italie cette semaine? Attends, j'avais autre chose dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé d'assez important? De quoi? Ah oui, il y a eu la liste aussi du côté de la Squadra Azzurra. Alors, comme vous avez pu voir, hein, c'était quand? C'était il y a 2 jours. C'est comment s'appelle-t-il? Spalletti qui a annoncé la liste pour jouer ses matchs amicaux. Est-ce que tu peux me dire les matchs que l'Italie va jouer, Gualtier? D'ailleurs, dans le chat, il y en a qui demandaient pourquoi l'Italie joue aux États-Unis. Alors, je crois que c'est 2 matchs amicaux. T'en as un que tu joues face à une équipe sud-américaine. Raison Venezuela pour laquelle. Venezuela, Équateur, je crois. Ouais, t'en as un que tu joues du coup aux États-Unis pour faciliter, je pense, l'équipe sud-américaine. Alors, la raison, j'en ai aucune idée. Hein. Peut-être Calvin sera mieux que moi, peut-être une raison commerciale. Et t'en as un autre que tu joues à Leipzig. Leipzig face, je crois, à l'Équateur. Et Venezuela aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as pensé de cette liste? Je vais vous la mettre hein, sur le visuel, cette liste. Alors, on a pu voir Luca qui a été convoqué. Voilà, mine de rien. Après, on va en parler tout à l'heure, mais il y a Acerbi qui a dû partir des Ritiro italiens, a été remplacé par Mancini de la Roma. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de toi, Elvin, de cette liste? Est-ce qu'il y a peut-être des joueurs qui, pour toi, devaient peut-être être sélectionnés qui ne l'ont pas été. Voilà, qu'est-ce qui t'a surpris peut-être de cette liste? On t'entend pas. Pardon, désolé, j'avais
J'avais bloqué le micro. Je pense que s'il y avait un joueur qui aurait dû être sélectionné, selon moi, c'est Calafiori, parce qu'il fait une très bonne saison avec Bologne. Maintenant, il y a beaucoup de concurrence à cette position-là. Maintenant, dans l'ensemble, la liste me paraît cohérente. Il y a un gardien en trop. Je veux dire, quand tu sélectionnes quatre gardiens, voilà, ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre et que je comprendrai très certainement jamais. Après, on le voit, ça manque clairement de qualité devant. Il a beau convoquer Louk, à tout ce que tu veux, ça manque clairement de qualité. Il y a des joueurs qui, selon moi, ont leur mot à dire durant les prochains mois d'ici l'Euro, notamment Udoji, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de concurrence à gauche, etc. Au milieu de terrain, pareil, il y a des joueurs qui vont devoir faire de plus en plus leurs preuves. Je pense à Locatelli aussi, par exemple. Donc, il n'y a pas d'énormes surprises. Ce n'est pas une liste incroyable. Mais si je te dis un joueur, je t'aurais dit Calafiori. Toi, Gualtiero, là-dessus ? Écoute, je suis peut-être un peu moins optimiste, optimiste c'est peut-être un grand mot, mais par rapport à l'avis d'Elvin, parce qu'il y a quand même quelques choix que je trouve assez osés pour quand même ce qui est le dernier rassemblement avant la compétition, hein, on ne peut pas l'oublier. Donc, ce qui peut s'apparenter à des tests, hein, finalement, pour moi, c'est vraiment le moment de tester quelques joueurs, raison pour laquelle on retrouve notamment, à mon humble avis, un Luc, un Fororo, une chose aussi, qui montre de belles choses. Le hélas, notamment ce but face à la Juve dont on se rappelle tous il y a quelques semaines. D'accord aussi sur la question du gardien, mais moi surtout, je vais être un peu pessimiste, ça m'inquiète un petit peu. Et le fait que tu ailles tester des joueurs, voilà, hein, Lorenzo Luca, c'est pas mal avec l'Udinese, mais ça mérite une première cape à la place d'un Scamacca, je ne sais pas. Ça montre surtout qu'on est une équipe sans repère. Sans repère, tu as beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes encore dans la tête de Paletti. Et forcément, quand en plus tu es champion d'Europe en titre, c'est pas forcément rassurant pour ce qui est, je le rappelle, le dernier rassemblement. Donc là, c'est le moment où tu testes tes derniers atouts, quoi. Donc, est-ce que tu les grilles pas en allant chercher, en tentant des joueurs un petit peu, on va dire, que tu peux remettre en question? Je sais pas. J'ai du mal à lire un petit peu entre les lignes, là, pour être honnête. Moi, je t'avoue, c'est, après, je te donne, pardon, la parole, Vincenzo. Alors, je vais remettre la liste de la sélection. C'est vrai que oui, quatre gardiens, j'ai pas trop compris pourquoi. Même si je suis pas en train de remettre en question la qualité des gardiens, mais oui, quatre, je vois pas trop. C'est vrai que peut-être avec la saison là qu'il est en train de faire depuis, en plus l'arrivée de Daniel Delo, si peut-être un El Shaarawy, ça m'aurait peut-être plu. Moi, je comprends toujours pas pourquoi Zaniolo continue d'être sélectionné. Bon, il a marqué ce week-end, on va me dire comme ça. Bon, je sais pas. À un moment donné, je vois pas où est la méritocratie d'avoir un Zaniolo dans l'équipe. Et moi, ce qui me déprime, c'est aujourd'hui la tête de nos numéros 9, quoi. La tête de numéro 9 en une squad azzurra. Alors, on pourra me dire qu'à l'époque, ou même quand on avait des grands 9 ou quoi que ce soit, ça n'a pas été non plus des grands, grands bombes avec la sélection italienne. Ok, ça marche, pas de souci. Mais ce qui est sûr, c'est aujourd'hui, tu te présentes avec Luca et Retegui qui, en fait, on va pas se mentir, aujourd'hui, Retegui est l'attaquant del Genoa qui est 12e et Luca, c'est l'attaquant de l'Udinese qui est 14e. Voilà aujourd'hui ce qu'est l'attaque de l'Italie. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a mérité, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter un downfall pareil au niveau du 9. Mais je vais vous dire une chose et peut-être je vais choquer. À ce compte-là, comme Camarda del Milan, tu vois, qui est peut-être un potentiel futur 9 crack, quoi. Tu vois, si on en est là, faisons cette folie, quoi. Mais là, voilà, aujourd'hui, on est représenté par le 9 du 12e de Sarri et du 14e. Il avait ramené Pafundi, hein. Donc en vrai. Ouais, C'est méchant de dire ça, mais moi c'est aujourd'hui à Pont, on peut parler de Pinamonti qui du côté d'El Sassuolo, qui est sur 9 buts, mais j'avais fait un tweet là-dessus, il n'y a aucun 9 aujourd'hui italien qui est au-dessus de 10 buts, quoi. De toute façon, c'est un problème on a le même discours depuis 10 ans. Enfin, je veux dire, il y a 10 ans, tu avais déjà ce discours-là, donc c'est un problème. Les sélectionneurs à disposition, malheureusement, ils ne peuvent pas avoir un numéro 9 potable parce que tu n'en as aucun. Aujourd'hui, tu regardes les numéros 9 des sélections, des grandes sélections, on va dire, ou les lignes d'attaque, tu as minimum 2-3 top players. Aujourd'hui, le seul joueur d'une certaine qualité en Italie d'un point de vue offensif, c'est Chiesa, qui d'ailleurs ne fait pas une bonne saison. Donc tu te dis, ouais, offensivement, ça fait peur, ça fait très très peur. Et tu te demandes encore comment l'Italie a réussi à gagner l'Euro avec une attaque immobilée, Chiesa et Berardi à certains moments. Bon, tu as la réponse, tu sais que sans Chiesa, ça aurait été très très compliqué offensivement. Mais je veux dire, il y a ce problème qui se répète depuis 10 ans. Et voilà. Ah, c'est clair. Toi,
toi, tu aurais une petite solution, je sais pas, est-ce que tu veux, toi qui es un peu dans le gaming, tu as peut-être, je sais pas, des fois, ça permet de connaître des joueurs que personne ne connaisse. Moi, vraiment, là-dessus, je Bah, sais pas. j'avais dire pour avoir Luka, pourquoi ils n'ont pas pris Colombo de Monza, ça? Mais bon, C'est c'est vrai. pas, c'est, enfin, je parle de Colombo, pas parce qu'il est milaniste, attention. Je suis au courant de tailler dans les commentaires, mais en fait, Colombo, c'est, enfin, moi quand je vois Colombo, c'est un peu comme celui qui joue à l'Aspal et qui a joué au Napoli, qui a été aussi fort au Milan, un grand gaillard comme Pétania. ça. Hein? Pétania. Ouais, Petagna, voilà. C'est des joueurs qui ont un physique à la Luca Toni. Bon, après, tu vas me dire Luca Toni, hein, il a fait une carrière exceptionnelle, enfin, je vais pas rappeler. Hein. Mais on n'a pas ce genre d'attaquant qui serait peut-être bon sur les remises en une touche de balle, remise de la tête et tout ça. Merci, merci Roxar. Et je pense que Retegui, tu vois, c'est un petit volatile, un genre à Jovinko. Tu as des joueurs, enfin, tu vois, prendre différents profils d'attaquants. Et maintenant, pour les nombres de buts italiens qui dépassent pas les 10, bah ça, c'est un problème de grands clubs, hein, et de clubs moyens qui veulent survendre leurs joueurs quand ils font une bonne saison. Hein. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi Berardi a fait carrière à Sassuolo. Sassuolo, à chaque année, il a 20 buts goal assist confondus. Et chaque année, je vois la Juve dessus, je vois le Milan dessus, puis je vois qu'il reste là. Il a quoi, 29 ans maintenant, Berardi? Il aurait tel... il a, pour moi, c'est un joueur sous-coté, Berardi, honnêtement. Façon, on l'a toujours dit. Après, tu as toujours la réalité que Carnaval il va demander des sommes folles. Hein. Donc, à un moment donné, il y avait aussi cette réalité économique. Après, bon, maintenant, Bella, c'est même plus une question. On sait qu'il va louper l'euro avec sa Sa rupture du blessure. tendon d'Achille, sa blessure. On lui souhaite bien entendu un bon rétablissement. Maintenant, moi, la seule chose aussi que je comprends pas, c'est OK, tu as cette pénurie de neuf, mais potentiellement le neuf, on va dire, sur lequel on pourrait s'appuyer, c'est Scamacca. Ouais. Pour dire ce qui est, et il n'est pas convoqué. Qu'est-ce qui se passe du côté de Gasperini? Pourquoi il ne joue pas assez? Moi, c'est vrai que peut-être je ne suis pas assez l'Atalanta pour comprendre la situation. Aujourd'hui, on a peut-être ce neuf qui a les caractéristiques d'être un bon joueur. Il est grand, il est technique, il a une belle frappe, il est bon de la tête. C'est quand même un neuf assez complet. Et non, il n'est pas sélectionné, il joue pas avec l'Atalanta. Alors, est-ce qu'on s'est fait trop d'espoir avec Scamacca, Elvin? Bah, de toute façon, est-ce que Scamacca a déjà montré de la continuité dans ses performances? Jamais. Mais est-ce que c'est une surprise? Non, aucun attaquant en Italie aujourd'hui est capable de sortir au milieu. Allez, je vais pas chercher loin. Deux saisons avec minimum 15 buts. On est passé avec Belotti. On est passé un moment avec Moise Kean, avec Pinamonti. Enfin, je veux dire, chaque année, c'est le même discours. Et malheureusement, je dis malheureusement parce que je ne peux pas être optimiste de ce point de vue-là, dans 4 ans, 5 ans, si ça continue, on aura le même discours. Mais Ce c'est un sera la même problème plus chose, hein. profond. C'est un problème qui remonte à la confiance donnée aux jeunes, à comment tu les entoures, comment les entraîneurs en Le Italie système. permettent de faire progresser ce type de joueurs-là. Si on ne change pas tout un système, si on ne va pas plus profond du problème de se dire, ouais, mais il n'y a pas de numéro 9 en Italie, bah dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera la même chose. Et un Inzaghi, tu l'auras une fois tous les 30 ans. Donc, il faut raisonner un peu plus loin. Tu vois, tu ne peux pas te dire, l'Italie n'a pas de numéro 9, alors on s'arrête là. Le problème s'arrête là. Non, tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a un problème plus profond. Il y a des circonstances qui font que oui, l'Italie a ce problème-là depuis des années et des années. Je veux dire, c'est par hasard, hein, si depuis presque 15 ans, tu as ce discours-là. C'est pas un Bah, hasard. le foot a évolué et le problème c'est que le foot a évolué, mais en Italie ça a fait perdre l'italianité à certains clubs. Alors, moi, j'ai aimé une fois, quand, sur Twitter, j'avais mis ce débat, il y en a un qui avait dit quelque chose qui, selon moi, pouvait être intéressant et peut-être cohérent. C'est qu'il a écrit, l'Italie s'est trop calquée ces dernières années sur le modèle espagnol. Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quand même de bons milieux. C'est vrai, c'est la réalité. L'Italie, on peut critiquer ce qu'on veut, mais je pense qu'on a quand même un milieu assez fourni avec des joueurs de qualité. Et en fait, c'est ça. Moi, j'ai tout. Alors, bien entendu, il peut y avoir pour et contre. Je vous lis dans le chat après, je suis désolé, je vous oublie. Je trouve que ça pouvait être une des. Comment dire Une des raisons, voilà. Une des raisons sur lesquelles aujourd'hui on n'arrive pas à avoir de numéro 9. Après, l'Italie n'est pas la seule nation. Aujourd'hui, on voit que de moins en moins les nations ont vraiment les neuf comme on peut voir à l'époque. Hein. Je pense que c'est aussi le football dans la manière dont il a évolué. On ne verra plus peut-être ces neuf à la Luca Toni, à la Inzaghi, à la Gilardino, qui étaient des renards des surfaces, quoi. Maintenant, on demande aux neuf de décrocher, de participer à l'action. C'est des neuf totalement différents, quoi. Bon,
En tout cas, on verra bien. On a hâte d'être surtout cet été pour l'Euro, pour voir ce que ça donne l'Italie. On rappelle, l'Italie est quand même dans un beau petit groupe, hein. Il y a l'Espagne, il y a l'Albanie et la Croatie. Bon. Un petit groupe de la mort. Tout de suite fixé. Hein. On sera un petit groupe fixé. Un petit groupe de la mort comme ça, c'est pas bien. C'est clair. Alors, dans le chat, qu'est-ce qui s'est dit ? Perso, je suis Ventino, je préfère 100 fois un intérêt pour toi avec qui débatte. Pourquoi Chelbi a dû quitter ? C'est l'histoire de racisme ? Oui, c'est lié à cause de ce qui s'est passé avec Juan Ressus hier soir. Je trouve dommage que Gabin ne soit pas sélectionné à titre exceptionnel. C'est mon côté milanais qui ressort, nous dit Milind. Italien 4 Chelbi a été écarté. Gatti écarté, je cherche où ? Non, c'est pas Gatti, c'est comment il s'appelle ? C'est Chelbi qui a été. Écarté. Retegui, j'ai toujours du mal à comprendre. Bah, moi aussi, mais bon. Moi, dit mon frère, italien 452 Scamac, elle devient quoi ? Bah, on en a un peu parlé. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a jamais formé de neuf, tout simplement. On est loin. Elle est loin l'époque où on savait pas qui émettre. Delvec, Inzag, Vieri, bref. Sofia nous dit, on a perdu le goat immobile. Ouais. Attention avec Camarda, je suis milanista. Il y a 15 ans, le gars, il n'est pas du tout au niveau. Quand il a joué avec Léa, il n'était pas bon. Faut lui laisser du temps. Non, mais je lui dis, on est tellement à la ramasse qu'au pire. Cela a toujours existé, le problème du neuf en Italie. À l'Euro 2016, on avait Eder et Graziano Pelé. On avait fait un bel Euro avec ça. Donc, faut voir comment Spalletti va utiliser ses attaquants. Moi, tous les jours, hein, je veux un Eder et un Pelé, hein, avec l'Italie. Elvin, l'Euro, ça a été un alignement des planètes, dit Italiano. On a rejoué 19 fois, on ne le gagne pas. Donnarumma en état de grâce, on aurait pu sauter en demi face à l'Espagne et Chiellini, Bonucci, Goat. Sylvain, je suis content de la sélection de Cambiaso, complètement mérité, c'est vrai. Juventino qui retrouve la sélection, bravo, notre ami Cambiaso. Doge, Nadji, c'est la dernière occasion pour tester les nouveaux joueurs, mais pour moi, Spalletti lui-même sait qu'on ne pourra pas miser sur notre neuf et qu'on doit plutôt se concentrer sur une animation offensive. Je peux te rejoindre là-dessus, clairement. Ferrat nous dit, lorsque je vois un jeune comme Kubarsi, titulaire au Barça, dans un match aussi décisif en Ligue des Champions contre Napoli, impossible de voir ça en Italie, cela explique le manque de talent, aujourd'hui. Tout à fait d'accord avec toi, Ferrat. Alors là, 100% d'accord. Je redescends un peu parce que ça a beaucoup écrit. Berti, merci LPM, le Real joue sans neuf après tout dans Vini, ailier gauche, Bellingham, pas un neuf, et Rodri plutôt ailier droit. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à cette liste. Maintenant, je pense qu'on a fait le tour un peu de ce qu'on pouvait dire sur la semaine passée. On va plutôt maintenant parler des matchs du week-end. On va tout de suite parler du match d'hier soir. C'était l'Inter qui recevait le Napoli. L'Inter première très loin devant avec 15 points d'avance encore avant hier soir, bien entendu. Le Napoli qui a besoin de points, mine de rien. Napoli qui, avec ce nul, reste tout de même loin de cette cinquième place, qui est quand même reste à 6 points de la Roma. On va tout de suite rentrer dans le sujet de ce qui s'est passé avant de peut-être parler du match. Alors, hier soir, pendant le match, qu'est-ce qui s'est passé ? T'as Juan Ressus qui allait se plaindre à l'arbitre en disant que Acerbi l'a traité du N-word. Voilà, chose que. Après le match, il y a eu la vidéo qui a tourné sur les réseaux sociaux et autres. Après le match aussi, Juan Ressus a dit que il s'est expliqué avec Acerbi, Acerbi lui a demandé pardon et donc ça reste sur le terrain et qu'il lui en tire par ailleurs entre guillemets. Et qu'est-ce qui s'est passé encore aujourd'hui ? Aujourd'hui, avec cette histoire, Acerbi a dû quitter le rassemblement de l'Italie pour clarifier tout ça. Acerbi qui il y a quelques heures, a même dit qu'il n'a pas dit ces mots-là, donc il réfute cette accusation. Acerbi qui aussi, est sur le coup d'une suspension de 10 matchs, donc ce qui voudrait dire que c'est la fin de saison pour lui. Toi, alors, c'est pas la fin que ça arrive hein, sur les stades italiens. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire, Elvin ? Et comment tu penses que ça a été géré cette fois-ci, ce cas de racisme à travers Juan Ressus ? J'ai envie de te dire, c'est con que cette affaire arrive dans la journée où c'est quand même la campagne contre le racisme.
entre ça et Allegri qui ne lit pas le fameux message au micro de Dazon, il y a eu un week-end, on va dire, entaché encore en Italie. C'est triste, si ça vient d'un joueur, qu'est-ce que tu veux analyser de ce point de vue-là. Acerbi dit non, j'ose espérer pour lui, parce que en l'occurrence, ça serait très très grave. Donc voilà, je ne vais pas être là à dire telle a raison, la justice fera son travail. Maintenant, la seule chose qu'il faut dire, et je pense que c'est le plus important, condamnons encore le racisme, condamnons, parce que même quand ce n'est pas dans les tribunes, et que ce soit dans les tribunes comme sur les pelouses, il faut le condamner, et j'ose espérer du plus profond de moi-même que Acerbi n'a absolument pas dit ce type de propos, parce que ça serait évidemment une honte absolue pour le joueur et pour le football italien en général. Ok, toi. Ouais. J'avais même envie de dire à Acerbi qui joue à l'Inter qui a été créé à l'époque pour favoriser les étrangers, c'est doublement punitif pour lui, quoi, parce qu'il respecte même pas les valeurs de l'Inter, quoi. Oui, après bon, il y a déjà eu des cas. On sait même que certains de la Curva Nord, sont. Ouais, voilà. Mais bon, lui, c'est un joueur, c'est un professionnel, quoi. Je veux dire, il aurait pu insulter sa mère sur 4 générations, il y a pas de problème, mais pas sur ça, quoi. Mais autour de ce cas, comment il a été géré, c'est-à-dire que est-ce que pour vous il a bien fait, par exemple, de se dire bon bah ça reste sur le terrain, il m'a demandé pardon, merci, au revoir. Est-ce que toi Gual, est-ce que c'est normal, enfin, moi je trouve que c'est normal d'aller plus loin, et est-ce que pour vous peut-être 10 journées c'est trop, c'est pas assez, ou il faudrait peut-être que même la Ligue italienne aille plus loin? Bah, concernant le degré de sanction, je pense que ça, à la justice de voir et à la Fédé italienne, mais ça pourrait être l'occasion de évidemment frapper un gros coup. Pour une fois, depuis le temps qu'on le réclame, c'est pas encore une fois le premier incident, que ce soit en tribune ou sur le terrain, même si c'est un peu plus rare sur le terrain. Donc ça pourrait être l'occasion, pourquoi pas, de taper du poing sur la table. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans cette histoire, qui évidemment est tout à fait condamnable, c'est vraiment la lire au prisme de Juan Jesus, qui de base n'est pas un joueur qui aime créer de la polémique. Et tu vois même, au vu de sa réaction, qu'il est resté très calme. Très, très calme, dans le sens où c'est pas le genre de mec à créer du drama. Donc à partir de là, connaissant en plus, on va dire, alors Acerbi n'est pas une personnalité, on va dire, sulfureuse, mais il a un caractère entre guillemets qui est bien à lui. Je pense que Juan Jesus, lui, personnellement, a bien géré la situation, parce que son caractère et on va dire aussi sa réaction, pour moi, elle légitime un petit peu aussi son accusation, dans le sens où il est resté très calme, il n'a pas commencé à partir dans tous les sens. Tu vois même que sur le terrain, voilà, lui, ce qui a importé, c'était le sportif. Mais après le match, comme tu l'as dit, il a voulu un peu calmer tout ça. Donc, je pense que dans son idée, c'est la justice qui doit trancher. Il a l'air assez sûr de ses positions. Donc, évidemment, on verra ce qu'il en est. Mais bon, connaissant le personnage, ça m'étonnerait qu'il invente quelque chose pour rien, quoi. Parce que surtout qu'il n'y avait aucune vocation dans le match à ce que ça tourne comme ça. Donc, bon, moi, en tant que fan de l'Inter, forcément, je suis... Bah, je suis encore un peu énervé, hein, parce que si c'est le cas, c'est même pas énervé, c'est dégoûté. Et évidemment que si cela s'avère, pour parler un peu au nom, je pense, de toute la tifoselia, je pense que Acerbi ne doit plus remettre le maillot de l'Inter. Très clairement là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, comme dit, affaire à suivre encore. Pour l'instant, on est juste au premier. Je pense qu'il y aura, il y aura des choses qu'ils vont revoir à travers la vidéo, peut-être même à travers les audios. Et on verra ce que ça va donner. Affaire à suivre. Maintenant, si on se replonge un peu plus dans le match, moi, je vous avoue, j'ai pas regardé hier. J'étais fatigué. Je suis allé dormir. Je me suis juste réveillé à un moment donné. J'ai pris mon téléphone. C'était en plein but d'El Napoli. C'est tout. Voilà ce que j'ai vu. Toi, Elvin, t'as regardé le match ou pas? Bon, Boal, toi, tu l'as commenté, ça, c'est sûr. Non plus. Tu l'as vu ou pas, Elvin? Oui, moi j'ai commencé hier. Moi personnellement. Ah oui, voilà. Bah toi, Gual, à travers ce match, toi qui l'as commenté, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi j'avais l'impression que il n'y avait vraiment pas de hype sur ce match. Je pense que tellement, pour en soi, vu que le championnat est quasi acté, un match comme ça qui est censé être une grosse affiche, bah, en fait, elle perd de sa saveur. Alors peut-être parce que Napoli a besoin de points. Mais l'Inter, tu vois, un match nul. C'est un semi-faux pas pour l'Inter qui avait gagné contre tout le top 8 jusqu'à maintenant, entre guillemets. Mais moi, je trouve qu'il y a une saveur qui est partie parce que l'Inter est déjà quasiment champion d'Italie, quoi.
Ouais, bien sûr. Après, encore une fois, tu vois, il faut lire plus loin que ça. Il faut essayer d'aller plus loin parce qu'on parle de deux équipes qui se sont fait sortir en Ligue des Champions cette semaine, dont l'une avec un scénario peut-être un peu plus, comment dire, un peu plus douloureux à encaisser. Donc, à partir de là, tu vois, il y avait un climat assez particulier sur ce match puisque c'était un peu le rebond, quoi. Avant de partir sur la trêve, les deux équipes restent quand même sur une déception. Il fallait essayer de recréer une dynamique positive avant de se quitter pour les sélections nationales. Par rapport au match, écoute, c'était un match plutôt équilibré, même si l'Inter petit à petit est monté en régime. Pas mal d'imprécisions techniques encore, ce qui traduit un petit peu ce qu'on voit sur les dernières semaines du côté des Nerazzurri, comme aussi du côté des Partenopei qui sont venus chercher très haut. Et finalement, l'Inter qui, sur un dégagement long de Sommer, a réussi à casser cette première ligne et à finalement s'ouvrir les espaces dans le dos, dans la défense, en supériorité numérique. Ça vient encore une fois d'un centre de Bastoni, le défenseur gauche, pour bon, le piston droit, mais ça reste un joueur à vocation défensive qui est Darmian, qui ajuste parfaitement. L'Inter qui a encore quelques occasions pour enfoncer le clou et finalement qui se fait presque surprendre hein, par ce Napoli sur ce coup de pied arrêté. Alors, je pense que vous l'avez vu, il y a eu une petite polémique sur le coup de pied arrêté. Est-ce qu'il y a corner, pas corner? Il semble que le ballon de Bastoni ne sorte pas et qu'ensuite ce soit Di Lorenzo qui le touche. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, l'Inter laisse passer l'occasion, pourquoi pas, de se rassurer. Et pour recentrer un petit peu sur mon équipe, entre guillemets, c'est vrai que j'ai senti dans la lignée, dans la continuité des derniers matchs, peut-être cette difficulté à avoir, on va dire, la main mise sur le fil de la rencontre. Tu vois, à l'image du corner que tu concèdes un peu bêtement, même si, encore une fois, il y a des éléments de contexte qui peuvent apporter le débat, je trouve que c'est une Inter qui a besoin, je pense, de souffler un peu, et cette trêve va faire le plus grand bien, même s'il y a des joueurs en sélection, à l'image d'un Pavard qui est en difficulté sur toute la semaine. C'est pas une bonne semaine pour l'Inter, pas un mauvais point pour le Napoli quand même, parce que Napoli partait quand même en tant que large outsider. Bon, ça va pas inquiéter, je pense, l'Inter pour l'objectif final, mais c'est vrai que je suis pas complètement rassuré après le match contre l'Atlético de Madrid. Après, voilà, je pense que c'est une petite crise de riche, entre guillemets. Bah, tu sais quoi, t'as parlé du match, et je pense que toi, tu l'as vu hier, Vincent, la partita ou pas? J'ai vu la deuxième mi-temps hier. Ok, bah, ouais. Moi, je m'attendais quand même à ce que le Napoli, parce qu'on va pas se mentir, Naples, ils étaient moins partant pour passer au quart que l'Inter, tu vois. Naples, ils étaient en période de crise, ça va vraiment pas, tu vois. Je me suis dit, je crois qu'ils sont à 6 points là. De la 5e place pour l'instant. Donc, s'ils gagnaient, ils remontent à 4 points. Je me disais, il y avait moyen de taper un grand coup contre l'Inter. Et parce que l'Inter, justement, avait joué les prolongations plus les pénaux. Ils avaient un jour de repos en moins. Hein. Ça. Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, tu vois, c'est les déclarations dès la fin de match d'Inzaghi et des joueurs, dès la fin de match contre l'Atletico. Tu vois, normalement, en zone mixte, le soir, tu ne pars pas à 3 après une déconvenue. Les termes ont été nets. Hein. On a notre objectif principal à aller chercher. Donc, tu pouvais quand même espérer la remobilisation directe des Nerazzurri, ce qui a été le cas, hein, même s'ils n'ont pas converti leurs occasions. Ouais, aussi. Ouais, non, alors, je m'attendais à en tout cas peut-être un faux pas. Après, un match nul, c'est bon pour Naples, hein, on va pas se mentir. Oui, bah, c'est un bon point pour Naples, ça c'est sûr. Maintenant, alors dans le chat, par rapport à ça, par exemple, l'objectif pour l'Inter, c'est les 100 points. Ils ont encore un joker, nous dit Ghislain. Milind, il n'y a pas de hype sur ce match car il y a tout de même cette déception de l'élimination en Ligue des Champions de manière prématurée, ça c'est vrai. Antoine, Inter doit profiter de son avance pour faire jouer des jeunes, Aslan, Ibisek, Buchanan. Milind, j'étais vraiment déçu de la prestation de certains joueurs interistes, par exemple Lautaro qui a été décevant hier soir. Et par exemple, Nofeu Sinotao, comment ça va? Est-ce que vous pensez des joueurs comme Lautaro demandent à partir avec l'élimination? Bon, c'est prématuré encore, je pense, cette question, on va plutôt en parler peut-être en fin de saison. Dernière chose, vous savez quoi, vu que on va mettre suite les pieds dans le plat, parce qu'il fallait qu'on en parle, et je pense que là, on pourra même faire participer Alvin, là, je pense qu'il a vu. Comme vous le savez, il y avait des matchs en Ligue des Champions semaine dernière, l'Inter qui a été, je pense, l'élimination la plus surprenante, on va pas se mentir, c'est celle de l'Inter. L'Inter qui restait sur cette victoire là, les 1-0 et d'une manière quasiment, ça aurait pu même l'addition aurait pu être salée encore plus. Aurait dû. Et je pense que c'est ça qui est aussi l'Inter a payé certaines efficacités en attaque. Retour donc 2-1.
ça va aux prolongations, ça ne bouge pas. Et au pénalty, c'est l'Atlético qui passe. L'Inter qui menait en plus 1-0 avec ce but de qui ? C'est Di Marco qui a marqué, non ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Voilà, ce but de Di Marco. Dans la foulée, 2 minutes après, c'est Griezmann qui égalise. Et en toute fin de rencontre, je crois que c'est à la 91e minute, c'est Depay, Memphis, qui venait de rentrer à la place de Morata, qui emmène l'Atlético en prolongation. Bref, est-ce que pour vous et toi, Elvin, tu étais surpris de cette élimination et qu'est-ce que l'Inter doit, comment dire, est-ce que c'est une énorme déception pour l'Inter, tout simplement, et l'Inter n'était pas peut-être programmé au moins être dans le dernier carré cette saison? Bah, surpris, oui, parce que bon, l'Atlético, ça reste l'Atleti, donc c'est une grosse équipe, etc. Les battre, encore plus à domicile, c'est pas simple. Mais quand tu sais que le plus dur avait été fait, le but du 1-0, tu peux avoir énormément de regrets. Si tu penses au futur, tu te dis, j'ai encore plus de regrets, sachant que la partie de tableau dans laquelle devait figurer l'Inter, il n'y a pas le Real et Manchester City. Je veux dire, globalement, c'était peut-être l'équipe la plus forte, même si ça peut jouer avec le PSG. Bref, il y avait la place d'aller en finale. Maintenant, le problème, c'est que la fin de saison risque d'être longue pour l'Inter parce que le Scudetto, il est là, tu n'as plus de Coupe d'Italie et tu n'es plus en Ligue des Champions. Donc, le stimulus qui était là, c'était vraiment cette Ligue des Champions. C'est-à-dire, cette saison, on va essayer de retourner en finale, on a de quoi faire, etc. etc. Et puis, l'Inter avait été si impressionnante au match aller. Mais le regret, c'est le 1-0 finalement. Cette victoire 1-0, parce que tu te dis que l'Inter gagne. C'est un avantage pour le match retour, mais toute personne qui a regardé le match se dit comment il y a pu avoir 1-0. Le nombre d'occasions loupées, la facilité avec laquelle l'Inter s'est créé un nombre d'occasions. Et c'est là où tu dis, tu peux être l'Inter, une équipe impressionnante cette saison qui joue bien, qui a une certaine alchimie collective. Si en Europe, tu n'es pas méchant, si en Europe, tu n'arrives pas à conclure les matchs qu'il faut, tu te fais piéger, Atlético ou pas Atlético. Et ça doit être la leçon de cette saison de l'équipe d'Inzaghi, parce que je ne vais pas être là à commencer à remettre en cause l'Inter, parce que ce n'est pas un match qui va remettre en cause ce que représente l'Inter cette saison. En revanche, il y a des points sur lesquels cette équipe doit encore s'améliorer, parce que ce n'est pas une équipe parfaite, parce que forcément, elle a encore des défauts. Et en Europe, le step super, ça va être plus méchant face au but. Et c'est déjà une certaine alerte en Serie A. Parce que si l'Inter arrive à enchaîner, etc., notamment lors de la première partie de saison, notamment en première période de la part de certains matchs, l'Inter avait été trop gentil. Il y a un nombre d'occasions assez importantes et à chaque fois, il y avait 1-0, parfois 1-1. Moi, j'ai le souvenir de Inter-Vérone où l'Inter s'est mis en difficulté toute seule, où le fameux match où il y a les erreurs d'arbitrage, mais l'Inter aurait pu, en première période, déjà gagner 3-4-0. Mais non. Donc, c'est un petit peu le défaut de l'Inter d'Inzaghi, parfois être trop gentil et ne pas savoir conclure ses matchs. Et c'est ce qui a fait défaut, notamment dans cette double confrontation face à l'Atlético. Je te rejoins totalement. Je te rejoins totalement. Toi, Gualtiero, qui en plus est supporter de l'Inter. Alors, moi, j'ai fait un post après cette élimination. Et en fait, moi, j'ai pointé 2 personnes du doigt. Alors, pas parce que c'est leur faute, parce qu'à la fin, c'est quand même une défaite collective. Et j'ai voulu quand même pointer du doigt Lautaro et Thuram. Pas parce que c'est les êtres. Enfin, parce que j'estime que, comme tu as dit, Alvin, sur cette double confrontation, il y a eu un nombre de buts incalculables vendangés. Tu parles du match aller, mais même au match retour, sur le 1-1. Pour moi, désolé, Thuram, tu ne peux pas louper cette occasion. Tu ne peux pas louper cette occasion. Elle doit rentrer dedans, elle doit être cadrée, quoi. Donc, moi, j'estime en fait que l'Inter s'est sabordée toute seule sur ce à l'aller parce qu'elle n'a pas assez marqué et au retour parce qu'elle s'est faite peur toute seule. Elle a remis l'Atlético dans le match, alors que pour moi, au 1-0, pour moi, c'était quasi plié, première chose. Et pourquoi je vise surtout Lautaro? Parce que au final, Lautaro qui est pour moi, le meilleur attaquant, un des 3 meilleurs attaquants actuellement en Europe, et c'est ta star du côté de l'Inter. Bah, à la fin, tu termines avec 0 but sur sa double confrontation. Moi, je trouve que ça fait un peu tâche dans la saison de Lautaro. Ça n'enlève rien à ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et très bien pour lui, il va sûrement finir meilleur buteur du championnat et c'est très mérité. Et je trouve que terminer comme ça sur cette élimination, surtout sur cette double confrontation, t'as pas marqué, ça fait un peu tâche. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Gualtiero, de ça?
Écoute, bon, forcément que cette élimination était dure à digérer, hein. Très clairement, parce qu'on va dire les termes, on va mettre les pieds dans le plat. Personnellement, je ne m'attendais pas du tout à ce que l'Inter sorte, surtout après ce qu'on a vu au match aller, même la dynamique des deux équipes sur les derniers matchs. Alors, personnellement, je ne vais aussi pas rentrer dans les débats match aller, fallait tuer, match retour, parce que, encore une fois, la Ligue des Champions, c'est une compétition qui est aussi faite ainsi, de détails, et ces détails font la différence. La chose que j'ai envie de pointer du doigt pour ne pas revenir sur ce qu'a dit Elvin, qui est encore une fois très juste, moi, personnellement, il y a vraiment quelque chose qui m'a dérangé, c'est, on va dire, la préparation mentale de ce match-là. Tu vas jouer contre une équipe, tu sais que leur point fort, c'est vraiment cet aspect mental avec un public chaud bouillant. Je pense qu'on n'a pas besoin d'expliquer que le Wanda était on fire comme à son habitude. Une équipe qui connaît ce genre de rendez-vous, qui s'est renversée, tout simplement la vapeur avec un coach, voilà, encore une fois, appréhender ce genre de situation un peu critique, un peu tendue. Lui, c'est un peu ce qui fait le personnage, tout simplement. Donc, à partir de là, j'ai envie de te dire que l'approche mentale de venir en te disant « Alors, on a un peu d'avance, mais on va pas y aller franco. » Moi, j'ai trouvé une Inter un peu le cul entre deux chaises, qui n'arrivait pas à exploiter, parce qu'elle hésitait un peu à se découvrir sous peine de se faire avoir dans le dos. J'ai pas beaucoup aimé. J'ai pas aimé cette approche. Donc, à partir de ce moment-là, pour moi, les occasions du match aller ne comptent plus. Parce qu'il ne faut pas non plus oublier, il ne faut quand même pas refaire l'histoire. Oui, l'Inter était favorite aujourd'hui. L'Inter, tout le monde la mettait dans son chapeau 3, dans son top 3 des équipes potentiellement pour aller gagner la compétition. Donc, à un moment donné, c'est aussi à toi d'assumer ce statut et pas d'arriver un peu avec... j'ai envie de te dire l'épée dans le caleçon, quoi, pour être un peu vulgaire, mais moi je l'ai vraiment senti comme ça. Donc j'ai pas du tout apprécié ce qui s'est passé. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que tu vois que sur l'une des seules situations que tu fais à ton habitude, tu mets un but. Donc normalement, le but doit entraîner tout simplement la confiance et la volonté d'aller vers l'avant, ce qui n'a pas été du tout le cas. Alors, tu n'as pas été aidé encore une fois par l'erreur de Pavard, qu'il ne faut pas incriminer non plus. Hein. C'est sa première erreur de la saison. Donc, encore une fois, je vais pas lui tomber dessus. Mais moi, je te dis, c'est vraiment cette approche qui m'a gêné. Et au-delà de ça, ce match-là, je ne sais pas si on pourra y revenir, mais il a révélé peut-être un axe sur lequel Inzaghi doit encore travailler. C'est la gestion de l'urgence. La gestion de l'urgence incarnée notamment par cette entrée de Buchanan à la fin qui a été retardée. Et qui n'a même pas eu lieu tout court parce que ce but de Depay a rebattu un petit peu les cartes. On l'avait déjà vu, notamment en championnat sur la spirale négative la saison dernière. L'Inter est une machine bien huilée, un collectif très très bien rodé. Quand ça va dans son sens, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, dès que tu as vraiment besoin de faire quelque chose et vite, dès que tu as besoin d'agir, il est un peu pris dans la panique. Et tu vois notamment au niveau de sa lecture de match qu'il a eu un peu de mal. Et ça s'est finalement un petit peu répercuté sur l'issue de la rencontre. Mais bon, j'ai envie de te dire, l'Inter va apprendre. Voilà, ça reste encore un processus sur plusieurs saisons. Ça fait partie aussi. Hein. Il y a des victoires et des défaites. Donc, évidemment qu'elle fait mal. Mais est-ce que ce n'est pas finalement un mal pour un bien? J'essaie de voir un peu de positif. Hein. On va essayer de voir les choses comme ça. L'avenir nous le dira. Mais c'est vrai qu'il faut aussi féliciter cette équipe de l'Atlético qui n'a rien lâché. Et c'est l'équipe qui avait le plus envie qui a gagné. Hein. On va dire les termes aussi. Juste, je fais une petite aparté. On parlait tout à l'heure, on vous donnerait des nouvelles si ça bouge un peu. Alors, il y a eu quelque chose ce soir. Comme je vous avais dit, c'est Acerbi qui avait réfuté les déclarations de Juan Ressus. Et Juan Ressus, sur Instagram, vient d'écrire quelque chose. Alors, c'est écrit en italien, donc je vous le traduirai rapidement. Pour moi, la question, c'était si à l'accusa, c'est fini sur le terrain avec les excuses de Acerbi. Et sincèrement, j'aurais préféré ne pas retourner sur ce cas ignoble. Aujourd'hui, quand j'ai lu les déclarations d'Acerbi totalement contraire à la réalité des faits, quanto detto da lui stesso, con l'evidenza mostrata anche da filmati, en gros, il dit que voilà, on a tous pu voir ce qui s'est dit hier, ou on peut le voir même me demander pardon. Comme ça, moi, je ne suis pas d'accord. Le racisme se combat ici et maintenant. Acerbi mi ha detto. Donc, Acerbi m'a dit va, ça veut dire vas-y, noir, nero, là, ça, on peut le dire. Sei solo, tu es juste un N-word. Voilà ce qu'il a dit hier Acerbi à Juan Ressus. Par la suite, je suis allé protester à l'arbitre. Lui-même a admis qu'il s'était trompé, il m'a demandé pardon. Et il a même dit, pour moi, le mot N-word est une insulte comme une autre. Voilà ce qu'il a dit hier sur le champ. Donc c'est grave, hein, bien entendu, si vous ça c'est avéré. Aujourd'hui, il a changé de version et il soutient qu'il n'y a eu aucune insulte raciste. Je n'ai rien à rajouter. Voilà, ce qui, au niveau de cette affaire, ce qui est sûr que si c'est avéré,
s'il dit vrai, c'est très grave et j'espère qu'Achel lui va payer très très lourd ces choses-là. Parce que ça n'a rien à faire dans la vie en général et sur un terrain de foot. Voilà. Affaire à suivre. Bon, on était du côté de l'Inter. Toi, tu n'as pas parlé, Vincenzo, sur ce qui s'est dit. Est-ce que tu as des choses à rajouter ou toi, tu avais une chose plus particulièrement qui t'a marqué sur cette élimination de l'Inter? Moi, ce qui m'a vraiment choqué dans cette double confrontation, ça a été le match aller. Hein. On va pas se mentir, le match aller, Arnautovic, d'accord, il marque un but, mais qu'est-ce qu'il a raté, Arnautovic? Et ce que je voulais aussi parler, c'était que l'Inter, c'était quand même la meilleure attaque et la meilleure défense de Serie A. Excuse-moi, voilà, j'ai pas remis le couteau dans la plaie, la blessure est encore fraîche, mais le jeu de l'Inter, en tout cas moi, quand je les regarde, ils sont forts sur les contre-attaques, sur les transitions, et là, pas l'autre, quoi. Je veux dire, Thuram a raté une grosse occasion, ok, mais cette force, durant le match à Madrid, c'était limite une faiblesse, parce qu'on les voyait un peu fébriles, c'est ça que je rejoins sur... Le mental, et puis cette séance de tir au but, hein, les tirs au but, c'est pour moi, c'est pas une loterie, hein, ça se prépare, c'est quelque chose. Quand tu vois Lautaro qui rate le dernier, bon, c'est synonyme de d'élimination, mais même s'il le mettait, après ce beurre de faire un arrêt, et peut-être que ce serait reparti, mais c'est pas Lautaro à tout prix sur la tronche, mais Klaassen qui le rate, je sais même pas c'était qui Klaassen, pour être honnête, hein. Sans vouloir être méchant, je ne savais pas c'était qui Klaassen. Quand je l'ai vu rentrer pour les pénaux, je me suis dit, bon, hein, peut-être qu'il nous fait une Van Gaal avec l'ancien gardien de l'Hollande, mais voilà quoi. Ouais, alors, dans le chat, qu'est-ce qui se dit? Après le but de Di Marco, Pavard offre un cadeau à son poteau Grisou. Je suis surpris de cette élimination. C'est une énorme déception car l'Atlético n'a pas proposé grand-chose offensivement. Berti, pourquoi Dumfries titulaire et non Darmian? Vouloir marquer en contre, rattraper Lino, pas capté sur le coup. Milik, l'Inter faisait office de grand représentant du club italien Ligue des Champions par son jeu et sa grandeur en Serie A. J'ai trouvé que cet Inter se voyait trop beau. C'est vrai que peut-être on pourrait se poser la question, est-ce qu'on peut-être on n'a pas trop vu trop belle cet Inter, vu qu'elle dominait outrageusement en Serie A. Il faut acheter un tueur devant les buts, nous dit Doge. Passer un cap pour être considéré comme un grand d'Europe. Antoine, on parle d'inefficacité offensive d'une équipe qui est la meilleure attaque des 5 grands championnats, c'est paradoxal, clairement. Ferrat, en tant que Milanais, c'est la première fois où j'ai senti une déception pour l'Inter, j'aurais aimé les voir gagner la Ligue des Champions, ça pourrait être une locomotive pour Milan et la Juve et la Serie A. L'arrivée de Klaassen est incompréhensible, tout ça pour les tirs au but et pour qu'il rate derrière l'annon, il n'y a plus de sens. Et pour terminer, l'absence de Carlo Augusto s'est faite ressentir du côté gauche, car ce n'était pas le meilleur match de Di Marco, le changement de Di Marco pour Achelbi, cela a montré ses limites. Dernier, Sofiane, moi je vais parler généralement que quand on est plus équipe en Champions, on paye le manque d'intensité de notre championnat et notre arbitrage qui siffle pour rien. Ce que je peux te donner raison également. Est-ce qu'on a fait le tour par rapport à ça? Parce que je voulais quand même qu'on avance, il est déjà 22h25. Autour de l'élimination de l'Inter. Bon, Naples, on va dire que c'est quelque chose d'assez logique. On va pas se mentir. Logique. Bon, je trouve le Naples peut avoir des regrets. Toi, Elvin, toi qui as vu, est-ce que pour toi, Naples peut avoir des regrets? Parce que c'était pas non plus le meilleur Barcelone. Mais pareil que l'Inter, des occasions qu'elle n'a pas su concrétiser, mettre dedans, c'est en Ligue des Champions, tu payes direct, quoi. Ouais, non, des regrets parce que tu n'affrontes pas un énorme Barça, mais bon, tu loupes ton entame. Dans la globalité, le Barça n'a pas du tout volé sa qualif. Tu loupes des occasions que tu ne dois pas louper. Il y a un mix de tout, mais non, je pense que c'est logique. Le Napoli ne méritait pas de passer parce que le Barça était supérieur, mais il y avait quand même la place pour ce Napoli-là maintenant. Après, honnêtement, ce Napoli-là, est-ce qu'il y aurait eu un sens d'avancer en quart de finale, honnêtement? Je suis pas sûr, donc la logique est respectée et le Barça mérite d'aller en quart. Attends, déception quand même pour cette arrivée cet été de Lindström. Il avait cette balle du 2 partout qui peut-être aurait pu, on aurait vu, hein, peut-être voir ce que ça aurait donné. Mais c'est vrai qu'une fois de plus, Lindström fait une rentrée pas bonne et je vais pas dire qui plombe, mais c'est vrai que cette occasion, elle est dedans. Le match est totalement relancé. En plus, je crois, c'était la 86 ou 87e minute. Donc, potentiellement, il pourrait y avoir des prolongations côté Naples, toi, Gual, sur ce match.
Non, je vais rejoindre Elvin. Hein. Sur le coup, le Barça partait quand même avec l'avantage de jouer à domicile après le match nul à l'aller. Ils ont, on va dire, respecté la tendance. Hein. Ils ont quand même plus mérité. Le Napoli qui a été pour moi trop naïf, beaucoup trop naïf à l'image du début de match où tu te découvres complètement et tu laisses des boulevards dans le dos. Pas grand-chose à dire, à part qu'on a vu quand même des choses intéressantes du côté du Napoli, mais il n'y a pas de quoi espérer passer contre quand même bah voilà le Barça qui, malgré le contexte un peu difficile, reste une référence à l'échelle européenne et je pense que ça peut jouer. Et à l'image de ce que tu dis, hein, Michele, la tête de Lindstrom, encore une fois, ça montre que la Ligue des Champions, c'est du détail. C'est du détail, ça se joue à des détails. Donc si tu n'es pas tranchant sur les occasions que tu as, bah, tu te fais punir juste après. Donc belle leçon, encore une fois, pour le Napoli, comme ça a été le cas pour l'Inter finalement. Et toi, Vincent? Ouais, bah, je dirais la même chose. Hein. Mentalement, Napoli, fragile aussi, quoi. Après, bon, ils ont c'est leur troisième coach. Ils sont en période pour moi de disette cette année, avec peut-être une saison blanche, même sans qualif européenne, compliquée, quoi. Moi, personnellement, des trois équipes italiennes, c'était le Napoli que je n'avais pas passé. J'ai plus été surpris de l'élimination de la Lazio et de celle de l'Inter que celle du Napoli, quoi. Ouais, c'est vrai, bon, c'est vrai qu'à la limite, on peut faire aussi cet aparté parce que c'était la semaine d'avant, et c'est vrai qu'on n'en a pas pu parler. Il y a aussi du côté de la Lazio, alors toutes les représentantes de la Ligue des Champions ont été éliminées. Mais on va dire que bon, c'est une déception par rapport à ce match aller, ce beau match aller côté Lazio. Retour, c'est 3-0 hein, pour le Ouais, Bayern, je ne sais pas si j'ai pas de bêtises, 3-0, ouais. 3-0, élimination de la Lazio. Mais là aussi, j'ai envie de te dire, je parle avant de Lindström qui a perdu cette, enfin qui n'a pas marqué cette balle d'égalisation. Cette occasion de Chilemob, il est en première mi-temps, pour moi, bah, détermine la fin de détermine voilà le résultat final. Tu mets ce but, je pense que la Lazio est quasi un demi-pied en finale, quoi. Bah, tu mets ton derrière après. Toi, Elvin, qu'est-ce que tu as pensé de la Lazio? Dommage, c'est vraiment dommage que pour la Lazio, clairement. Bah, en match aller, ça n'avait pas été une énorme Lazio, tu vois, etc. Mais collectivement, ça avait été un groupe soudé. Et dans tous les cas, même si ce n'est pas un énorme Bayern, quand tu es la Lazio, battre le Bayern, ça reste un événement. Il faut quand même le faire. Moi, c'est la peur que j'avais au match retour. Je savais, c'est une équipe italienne. Je savais très bien à quoi m'attendre, une équipe qui a peur sur le terrain, qui rentre avec la peur, qui rentre avec l'idée de se dire, on va aller défendre le 1-0 plutôt qu'aller chercher le Bayern. C'est ce qui s'est passé. Et puis quand tu as ce petit ballon qui arrive à immobiler et que tu n'es pas capable de le mettre, c'est sûr que là, ça devient compliqué. Le Bayern n'a pas volé sa qualif parce enfin, au match retour, ils sont venus pour gagner. Et c'est la différence avec la Lazio qui n'est pas venue pour gagner à Munich. Donc au bout d'un moment, c'est aussi une question de mentalité qui conditionne encore une fois les équipes de Serie A. Je te dis pas que si la Lazio avait été un peu plus propositive, elle aurait assurément gagné. Mais au bout d'un moment, il faut proposer quelque chose de plus, surtout si tu as eu le courage de gagner le match aller. Yamine, notre ami Yamine, bah, que tu connais très bien, ton ami aussi qui est sur le live. Salut la famille, désolé, je pouvais pas venir ce soir en live, mais on s'en fait un très vite avec grand plaisir, promis. Bah, c'est vrai que j'ai invité aussi Elvin pour parler aussi Amine, pardon, pour parler d'Allegri. Bon, la semaine c'est plus compliqué pour notre ami Amine. En tout cas, merci beaucoup pour ce message et comme d'habitude, la famille Serie A, Juventus, voilà tous ceux qui contribuent à la visibilité de notre championnat. On donne de la force à tout le monde et comme dit Amine, je crois que c'est même un des premiers, hein, si je dis pas de bêtises, avoir fait ça, de ces lives sur Twitch ou autre. Donc merci pour tout ce que tu fais, Amine, aussi, hein, pour la communauté Serie A et aussi pour la communauté Juventus. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, on parlait de la Lazio, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Non, au niveau de la Lazio, moi je t'avoue que sur la première mi-temps est cohérente. J'ai pas vu non plus une Lazio totalement débordée par le Bayern. Et c'est vrai que c'est ce but du Bayern en fin de première mi-temps qui en fait après t'as vu que la Lazio a totalement lâché. Mais moi cette première mi-temps, je la trouvais limite cohérente. C'est sûr que tu étais là-bas, tu es à Munich, c'est pas toi qui vas tenir le jeu, mais la Lazio quand même. Quand il fallait ressortir la balle, le faisait de manière cohérente. Il y avait très peu de déchets et souvent après, on voyait quand même le Bayern, j'irais pas reculer, mais qui faisait gaffe quoi. Ils se sont pas livrés tout de suite et c'est vrai que cette occasion loupée de Immobile, 2 minutes après, à ce but d'Harry Kane, pour moi, ça a coupé les jambes de la Lazio et ça a donné ce 3-0. Moi, je l'interprète comme ça. Toi, Vincenzo, sur ce match. Bah, moi,
Moi, je pensais vraiment que la Lazio allait passer. Quand je voyais le match aller, le Bayern a fait zéro tir cadré. Hein. Zéro tir cadré. Le Bayern, ils sont 10 points en moins que le Bayer Leverkusen en championnat. Ils ont été éliminés par une D3 en Coupe d'Allemagne. Encore une fois, c'est comme je rejoins Elvin, hein, c'est du caca culotte. Hein. Ils ont voulu défendre le 1-0 et tu payes cash. Alors que si la Lazio aurait peut-être joué son football sans avoir peur, il y aurait peut-être qu'il serait pris des buts. Hein. Mais je pense qu'il y avait moins, il y avait vraiment moyen cette année pour que la Lazio fasse qui écrit une nouvelle page de son histoire en battant, en éliminant le Bayern plutôt. Et franchement, moi je les voyais vraiment accrocher ma main à nul sur le match retour. Quoi. Je voyais peut-être un 1-1 ou un 2-2. Parce qu'honnêtement, la Lazio, quand elle veut jouer au foot, à l'image des matchs contre Bologne, même qu'ils perdent, quand ils jouent au foot, c'est beau. C'est quand ils arrêtent de jouer qu'ils perdent. Mais bon, ouais. Dans le chat, je vais être sévère sur le Napoli. On parle d'un Barça qui a modifié tout son milieu de terrain avec les blessures de De Jong, Pedri, Gavi. Le Barça peut jouer avec la Masia. Le Napoli perd quand même. Ça, je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord. Là, tu peux pas. On ne peut pas nier aussi ce fait-là. Le Napoli n'a jamais battu le Barça que cela soit en Ligue des Champions, en Ligue Europa, pour moi, ce n'était pas une surprise, nous dit Milind. Et c'était prévisible, l'élimination de la Lazio également. L'équipe est trop faible pour aller surprendre à l'Allianz Arena. La Lazio a des joueurs de niveau Ligue Europa, malheureusement. Ok, on clôture ce côté Ligue des Champions. On revient un peu au championnat et là, on va ouvrir le débat quand même sous Allegri et la Juventus. Et on va, je pense, terminer là-dessus. Comme dit, lundi prochain, vu que c'est la trêve internationale, on pourra aborder d'autres sujets, peut-être l'Europa League avec les équipes italiennes ou autres. Mais là, ce soir, on est un peu short au niveau du temps. Vu qu'on a Elvin qui est là, on va profiter de parler un peu du moment de la Juventus. Alors, la Juve qui fait 0-0 face à le Genoa à la maison. Donc, c'était dimanche, donc hier à 12h30. Résultat négatif, bien entendu, pour une équipe comme la Juventus qui déjà, week-end dernier, avait perdu la deuxième place et qui là, avec la victoire du Milan face à le Verona, se fait distancer de 3 points. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, bon, ça j'ai vu sur ton Twitter, Alvin, la Juventus, sur ses 8 derniers matchs, c'est une victoire, 4 égalités, 3 défaites. Donc, ça fait un partout face à l'Empoli, ça perd contre l'Inter, ça perd contre l'Udinese, ça égalise contre il Verona, ça gagne à la dernière seconde avec le but de Lugani face à le Frosinone. Et d'ailleurs, Tété, je crois, tu as en plus, Alvin. Voilà, et après ça perd contre le Napoli 2-2 face à l'Atalanta et 0-0 face à le Genoa. Qu'est-ce qui se passe du côté de la Juve? Pourtant ça avait bien démarré, très très beau début de saison. Est-ce qu'en fait on voit clairement les limites du système Allegri, et est-ce que pour toi aujourd'hui Allegri est sur la sellette ou pas? Parce qu'après peut-être on va en parler de ce qui s'est dit après match. Alvin, avant de parler d'Allegri, c'est une chute libre. Là, la Juve, elle est en décadence totale. Tu passes d'un rendement Scudetto à un rendement d'une équipe qui lutte pour le maintien. Je crois qu'il y a deux équipes qui font pire en Serie A depuis le mois de février. Et là, c'est même pas une crise, parce que quand tu as une victoire lors des 8 derniers matchs et que la plupart des matchs, tu les perds ou tu fais match nul à domicile et que c'est un néant total, on ne peut même pas définir ça comme une crise. Là, c'est très, 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 très profond. Je pense que la trêve arrive un moment parfait pour cette équipe-là. Enfin, les faits sont là, les points numériques sont là. Hein. Une victoire lors des 8 dernières rencontres, tu n'es pas capable de battre le Genoa, tu n'es pas capable de battre l'Udinese, tu n'es pas capable de battre Empoli, de battre Vérone, tu bats Frosinone et à la dernière seconde. On va dire, dans ces 8 matchs, tu as seulement 3 équipes du haut tableau. Que tu perdes contre l'Inter qui est supérieur, pas de souci. Que tu n'es pas capable de battre l'Atalanta, il n'y a pas de souci. Mais que la Juve ne peut pas faire des résultats comme ça face à des équipes du bas de tableau. Donc, moi, ce qui me fait énormément peur, c'est qu'à l'heure actuelle, personne ne peut se dire si cette Juve-là est capable de se relever d'ici la fin de la saison. Je ne raisonne même pas en futur lointain, là, jusqu'au mois de mai, jusqu'à la fin de la saison, parce que encore heureux que la Juve a certains points d'avance et que la première partie de saison, il y a eu, d'un point de vue numérique, une première partie de saison réussie, parce qu'honnêtement, c'est urgent. À l'heure actuelle, cette équipe n'y arrive absolument plus. C'est un néant total. Plus personne navigue dans le même sens. On va y revenir. Max Allegri n'y arrive tout simplement plus. La Juve est en crise très, 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 très profonde. Et la personne qui a vu Juve Genoa peut seulement confirmer cette période noire. La Juve a été en totale difficulté, quasiment jamais en capacité de mettre en difficulté l'équipe de Gilardino. C'est une période très, 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 très compliquée. Mais c'est dû à quoi, à ton avis? C'est-à-dire que
Est-ce que la Juve avant était en sur-régime ou en fait là clairement il y a petit à petit les joueurs n'adhèrent plus peut-être au système Allegri, bon même si qu'est-ce qu'il leur a fait, enfin j'ai envie de dire ça vous réveillez que maintenant j'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, parce que tu l'as dit c'était un rendement de championnat, aller chercher peut-être le Scudetto à là sur début 2024 où tu as cette série négative, qu'est-ce qui s'est passé? C'est il y a une fracture dans le vestiaire, toi qui est un peu dedans et qui suit cette équipe, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, sur régime, oui, mais je vais te dire, tu peux pas t'écrouler comme ça. Je veux dire, tu peux avoir des moments de moins bien, c'est le sport, le foot, on a vu l'Inter qui est éliminé de Ligue des Champions, tu peux perdre des matchs, tu vois. Mais quand tu t'appelles la Juve et que tu n'es même pas capable de gagner un seul match entre Vérone, le Genoa, l'Udinese et toutes ces équipes-là, enfin, au bout d'un moment, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de… Non, tu dois gagner, point. Que la Juve ait eu un coup dur après le match nul face à Empoli, ce fameux carton rouge de Milik, qui ensuite qui est venu avec la défaite face à l'Inter, qui ait eu un coup dur parce qu'il y avait l'enthousiasme du Scudetto et que ce Scudetto s'est peu à peu… retiré, tu peux dire c'est compréhensible. Mais il n'y a aucune justification possible, messieurs, de se dire que cette équipe-là a pris 7 points. 7 points sur les 24 derniers possibles. Une victoire lors des 8 derniers matchs. Il n'y a pas de justification possible. C'est, à l'heure actuelle, au-delà de tout ça, c'est une équipe qui n'a pas de réaction. Qui ait une cassure nette entre Max Allegri et ce groupe-là d'un point de vue des idées, c'est même le cas depuis bien longtemps. Sauf qu'avec cet enthousiasme, cette bulle qui s'était créée dans l'idée d'aller chercher l'Inter et de se dire « Ah, cette équipe-là est dans la course au Scudetto », il y avait un certain enthousiasme qui s'était créé. Et la plus grande peur, c'était se dire « Bim !» Au simple faux pas, cet enthousiasme allait s'écrouler et les limites mentales de cette équipe allaient rapidement se voir aux yeux du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, au-delà de tout ça, évidemment que Max Allegri y est pour beaucoup, et on l'a vu hier encore une fois, le coach est complètement désespéré, sur et en dehors des terrains, Max Allegri n'y est plus du tout. Je veux dire, aujourd'hui, il est en chute libre. À l'heure actuelle, c'est une équipe qui ne navigue absolument plus dans le bon sens, et honnêtement, Mickaël, et moi je te le dis, il n'y a aucune explication possible. Aucune, parce que si tu fais une victoire lors des 8 derniers matchs, mais que tu affrontes des Bayern, des Real Madrid, des PSG, il n'y a pas de souci. Mais quand tu vois le calendrier de la Juve, qui était avantageux par rapport à l'Inter de février à avril, et au final, c'est l'Inter qui a pris le dessus, il n'y a aucune excuse possible. Cette équipe-là a eu une chute vertigineuse qui n'a aucune explication. Et surtout, oui. En plus, ta seule victoire, elle est vraiment à la dernière seconde sur ce but de Lugani face à le Frosinone. Alors, dans le chat, ça a pas mal fait réagir. Par exemple, Milly nous dit, et là, après, c'est à toi que je vais poser, tu vas réagir là-dessus, Gualtiero. Je trouve que critiquer Allegri, c'est chercher la facilité. Pour moi, il y a aussi des cadres qui ne répondent pas présents et qui sont une déception. Je suis déçu de la saison de Chiesa. Pas ouvrir le dossier Chiesa, clairement. Parce que j'avais fait aussi un tweet dessus. Certes, Chiesa apporte offensivement, mais en termes de statistiques, c'est fait pour un joueur qui a coûté plus de 60 millions. Baltikinui, chèque de 82 millions de Chelsea, bye-bye Chiesa, il faut le garder. Mobizi Calvin, pourquoi on ne voit pas assez Alcan les soirs de match, surtout en période de crise, alors qu'il est dans le paddock F1 Ferrari, il a donc du temps pour les projets sportifs. Nico Crypto, le pire, c'est que la base du football ne sont même pas respectées dans cette équipe. En phase de possession, personne ne bouge. Aucun appel, aucun mouvement. Emiline, encore, on sait qu'Allegri mise sur les individualités depuis 3 ans. Donc, les joueurs sont conscients qu'ils doivent faire la différence par eux-mêmes. Je trouve que les joueurs de la Juve sont peu critiqués. Bah, si tu veux, on peut alors rentrer carrément dans le sujet avant d'aborder Allegri. Moi, j'avais fait un tweet hier en expliquant que c'est vrai que Chiesa a fait une saison moyenne, je sais, et je n'enlève rien au fait qu'il est un entraîneur pour moi nullissime, clairement. Mais à un moment donné, on peut pas non plus tout mettre à chaque fois sur la tête de Allegri. Comme et j'ai fait le parallèle avec Leao. Leao, pourquoi je fais le parallèle Leao-Chiesa? C'est deux personnes au même poste et souvent qui sont comparées. Leao a beaucoup été, non, c'est même Pioli, a été critiqué sur la manière d'utiliser Leao, ce que je peux être d'accord en partie. Mais tu as aussi, à un moment donné, le joueur, et ça, je reviens toujours à ce qu'avait dit Nesta dans la Bobo Thibault que j'avais traduit. Il disait, nous, à l'époque, on faisait un mauvais match, même si tu prenais qu'un but, le lendemain, tu trouvais la Gazzetta, Nesta 4, et il te charcutait, tu vois. Et là, on n'était pas là à parler l'entraîneur ci, l'entraîneur ça.
vrai qu'aujourd'hui, peut-être l'entraîneur, c'est devenu la solution de facilité pour un peu dédouaner les joueurs. Et il parlait même de cette culture de l'excuse qu'il y a aujourd'hui sur ces joueurs actuels. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, j'ai voulu faire le parallèle hier. J'ai dit, c'est vrai que Chiesa a Allegri en tant qu'entraîneur, mais il ne faut pas non plus tout dédouaner. Je pense que même si il a ce caractère de battant, il veut faire bien les choses, il doit proposer plus. Il doit proposer plus et c'est lui aussi des fois qui doit trouver les solutions. Chose que Dusan Vlahovic a fait cette saison. On peut le critiquer comme on veut, mais là-dessus, il a allé chercher ses buts. Il a souvent même sauvé les fesses d'Allegri plusieurs fois. Voilà. Cette critique, je ne peux pas l'avoir sur Dusan Vlahovic. Par contre, sur Chiesa, je l'ai. Toi, Gualtiero, qu'est-ce que tu penses de cela? Oui, je suis plutôt d'accord sur la lecture. Je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Évidemment que tu dois lire ces performances collectives vraiment désastreuses au prisme quand même de l'entraîneur qui aussi factuellement sert aussi un petit peu hein, à capter toute cette pression et aussi assumer les responsabilités. Mais évidemment qu'il y a aussi des joueurs de l'autre côté qui ne sont pas à dédonner, même si on en avait déjà parlé il y a quelques semaines. C'est très compliqué honnêtement de les juger là-dessus parce que je pense que tu mets quasiment n'importe quel joueur à leur place, ce sera toujours le même problème. Donc à partir de là, voilà, on sait évidemment qui pointer du doigt. Mais pour revenir plus précisément sur les joueurs, moi je suis d'accord sur le fait que évidemment eux aussi ont leur part de responsabilité. Parce qu'à partir d'un moment, tu as aussi quand même un effectif. Il y avait eu des débats, je vois des débats un peu partout sur les réseaux, comme quoi la Juve n'aurait pas un effectif à cette qualité aussi. Je suis désolé, on était tous d'accord pour dire au départ de la saison que la Juve a l'un des meilleurs effectifs d'Italie. Alors oui, évidemment, c'est pas le même par rapport aux grandes années Juve il y a encore quelques saisons, mais ça reste quelque chose à l'échelle du championnat qui est largement en capacité de jouer le championnat. Enfin, tu mets un autre coach, je pense que le résultat est tout à fait différent encore une fois. Franchement, c'est cette situation assez compliquée à lire, mais évidemment qu'il y a des cadres aussi qui déçoivent, et c'est surtout eux, je pense, sur lesquels il faut jeter la pierre, entre guillemets. Bon, tu parles d'un Chiesa, Vlahovic, par exemple, puisqu'on parle du secteur offensif, oui, je te rejoins, il allait chercher quelques buts, mais il y en a aussi pas mal. Je pense notamment au match du Napoli, où il doit faire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, et pour le coup, c'est pas Allegri que tu peux incriminer sur le coup, parce que c'est pas lui qui lui demande de tirer comme ça. Enfin, qu'est-ce que tu veux dire, en fait, finalement? Qu'est-ce que tu veux dire à partir du moment où cette défaite contre l'Inter a cassé quelque chose collectivement? C'est clair et net. Je pense que la seule chose, on va dire, qui tenait un petit peu cette équipe, c'était le fait de pouvoir accrocher ce Scudetto. À partir du moment où l'espoir s'est effacé, bah, à l'image de ce que disait Elvin, c'est une spirale négative, hein, très clairement. À voir honnêtement comment ils vont réagir aussi. Est-ce que la trêve va leur faire du bien? Je t'avoue, j'ai du mal à répondre à cette question parce que, comme le disait aussi Elvin, qui est beaucoup plus calé que moi, que nous sur le sujet, bah, y a pas forcément de réponse, c'est inexplicable et c'est compliqué de démêler le vrai du faux, quoi, tout simplement. Je vais arrêter de tourner autour du pot parce que sinon je vais parler des heures. Toi, Vincent, après on va aborder maintenant le côté Allegri. Bah, moi je suis pas trop d'accord qu'on tape sur Chiesa en vrai. Je pense qu'il joue même pas son vrai poste de base. C'est un ailier gauche et la Juve joue en 3-5-2, en 3-5-1-1. Et honnêtement, les gars, enfin, moi j'ai envie de vous dire, je vais prendre le parallèle avec la Roma. Parce que la Roma, c'est le bon exemple. Pellegrini et Sumorino, il était en déclin. Vous avez vu Pellegrini depuis Daniele De Rossi? Vous avez vu la Rome comment elle en... Enfin, je ne dis pas que c'est le Real Madrid, hein, c'est pas ce que je dis, mais même Montero à la place d'Allegri, tu vas voir Chiesa, il va repéter le feu. Déjà, Allegri, enfin... Non, mais c'est un bon argument, hein. C'est un bon argument et ça s'entend. Hein. Allegri, il parle comme il mange, sans vouloir être méchant. Si déjà il se permet des fois de défoncer des jeunes en conférence de presse, j'ose imaginer ce qu'il peut dire dans les vestiaires. Et puis, bah, moi perso, enfin, vous voyez mon bonnet, hein, moi, les grilles, pour moi, enfin, j'en parle à Gaulle, ça a été un des précurseurs de la bonne terra du Milan, c'était lui, quoi. Il a détruit le Milan en 2012, enfin, pas voilà, je fais l'aparté, mais pour moi, oui, Chiesa, il a peut-être lâché un peu mentalement, mais c'est au coach de stimuler ses joueurs mentalement, justement. C'est au coach à être derrière comme un père de famille. Pour moi, c'est, enfin, pour moi, un vrai coach, c'est ça, quoi. Si tu enfin, genre, comme t'es pas bon en tactique, t'es pas bon, et que normalement, Allegri, c'est censé être un meneur d'homme, et que même là-dedans, bah, il gère plus le bateau, bah, fais comme Sarri, prends un peu ta dignité, que t'aurais dû faire ça depuis 3 ans, et démissionne, quoi. Laisse. Mais d'ailleurs, et Elvin, je pense que tu pourras nous répondre mieux, hier, il y a eu aussi un geste assez symbolique sur l'exclusion de Vlahovic, non? Qui s'est adressé directement au Mister, ou alors c'était une illusion où il parlait peut-être à quelqu'un d'autre? Pas directement au Mister. Ah, okay. Il s'est énervé envers l'arbitre. Ok, ok. Après, c'est un énervement total, mais c'était pas indirectement vers ok, l'arbitre. Ok, autant pour moi. Alors, dans le chat,
Merci Mickaël, de rien. J'allais exactement faire ce parallèle avec Léao. Léao est critiqué pour moins que ça et personne ne veut se frotter à critiquer Kéz alors qu'il n'est pas mieux que Léao cette saison. Je suis d'accord avec ça, même s'il y a une cassure, nous dit Nico Crypto, avec l'entraîneur, en tant que joueur pro, tu te dois de mouiller le maillot de plus quand ce maillot est celui de la Juventus. Fede Allegri, c'est devenu une version italienne de Domenech. Oui. Ferrat avec un tel enchaînement de mauvais résultats, est-ce qu'une place en Ligue des Champions est garantie pour la Juve avec des équipes en forme comme Bologne, Roma et même l'Atalanta? Ben, pour l'instant, non, c'est clairement pas garanti, hein, mais pas trop jouer avec le feu, hein, tout de même. Hein. Sofiane, Juve, bien sûr que Chiesa est fautif, il ne serait pas italien, il se ferait dégommer à 60 millions d'euros, c'est une honte. Alors, le non-schéma tactique y est pour beaucoup, mais pas que. Et Moby Dick, pas d'excuses possibles sur le championnat officiellement, ça n'a jamais été l'objectif du club en début de saison, c'est honteux pour notre histoire. Maintenant la direction doit prendre des décisions. Maintenant rentrons dans le volet Allegri et après on arrête ce live. Hier soir après le enfin hier après-midi après match, il a été assez nerveux. Alors j'étais sur ton Twitter, je crois que tu l'as pas retranscrit, à un moment il s'est quand même pas pris la tête, mais il a été assez très cash avec un des journalistes qui essayait de lui poser une question là-dessus. Je reprends une de tes déclarations que sur ton compte Twitter hier en conférence d'après-match. Il dit pourquoi 7 points en 8 matchs. Moi, je vous réponds pourquoi la Juve après 46 points lors de la première partie de saison. Je fais des erreurs, j'ai un objectif à obtenir. Je suis désolé pour le moment, mais l'équipe fait de son mieux. Aujourd'hui, il y a eu pas mal de tweets qui peut-être amené à croire que la Juve se pose, enfin le board de la Juve se pose des questions peut-être pour déjà se séparer d'Allegri pendant la trêve. Toi, est-ce que tu as eu des infos? Est-ce que tu penses que Allegri va quand même finir la saison maintenant qu'il reste 8-9 matchs? Ou peut-être pas à l'abri d'une surprise comme on a pu l'être avec la Roma, avec De Rossi, ou même avec là, on a vu récemment avec Sarri. Toi, qu'est-ce que de tes infos ou toi, qu'est-ce que tu penses? Alors, il n'y a pas le moindre signal d'un départ là avant la fin de la saison. Donc, Allegri restera sur le banc de la Juve jusqu'à la fin de la saison. Je sais que beaucoup veulent un départ, etc., mais ce ne sera pas le cas. Aussi parce que, officiellement, dans la ligne médiatique, Max Allegri est dans l'objectif, c'est-à-dire ce fameux top 4. Et à l'heure actuelle, il remplit, on va dire, cet objectif-là annoncé médiatiquement. Donc, il ne sera pas viré, ça, il faut le dire. Il restera jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, si tu me demandes à moi, je reste fermement convaincu que la décision est déjà prise. Ça ne pourrait pas être autrement, tant la Juve ne peut pas se présenter au mois de mai avec un point d'interrogation. Ce n'est pas une deuxième place, troisième place que vous voulez, et potentiellement une Coupe d'Italie qui va changer grand-chose. Vous imaginez quand même une direction comme la Juve cotée en bourse, un club comme la Juve, évidemment qu'elle a déjà pris sa décision. Je reste fermement convaincu qu'Allegri ne sera plus l'entraîneur de la Juve parce qu'il y a la Ligue des Champions qui va revenir et que la Juve a besoin d'un nouveau souffle, etc. etc. Maintenant, comme je répète semaine après semaine sur YouTube, il va falloir que les supporters de la Juve soient patients, parce que oui, ça arrivera à la fin de la saison, mais ce ne sera pas maintenant. Donc, désormais, il faut espérer quoi? Il faut dire quoi? Que Max Allegri et que cet effectif-là aient un minimum de respect, c'est-à-dire valider cette qualification pour la Ligue des Champions. Il y a un certain nombre de points d'avance encore. Il y a eu un nombre de points importants lors de la première partie de saison. J'ose espérer quand même qu'avec le minimum syndical, messieurs, minimum syndical, la Juve peut et doit se qualifier en Ligue des Champions. Parce que oui, certes, elle n'est pas dans un moment bien, mais la Roma a un calendrier de fou furieux. L'Atalanta, pareil. Il va falloir que quand même Bologne gagne ses matchs, etc. La Juve a encore des confrontations directes. Donc, à 50%, même si la Juve est à 50% de sa forme, elle doit valider sa qualification pour la Champions. De ce point de vue-là, je ne suis pas inquiet. Mais je le répète, Allegri restera jusqu'à la fin de la saison. Juste pour un petit point par rapport au calendrier, c'est vrai que tu parlais peut-être des confrontations. Mais je viens de dire, comme je l'ai dit, à la reprise, on jouera à Rome face à la Lazio. Il y a la Coupe d'Italie aussi, cette demi-finale après. Après, tu reçois la Fiorentina. Après, il y a le Derby della Mole qui est toujours tout de même un derby, et donc voilà, je pense que le Torino ne va pas non plus vous donner des points. Après, tu vas à Cagliari, équipe clairement qui a besoin de points pour rester en Serie A. Il y a match face à Milan, match face à la Roma, et c'est vrai que peut-être aller en fin de saison, ça va être plus tranquille. Tu joues face à la Salernitana à la maison, et tu termines avec Bologna et Monza. Voilà, on va dire que, bon, c'est pas non plus un calendrier facile, on va pas se mentir.
mais il y a des points à aller chercher tranquillement non, pour assurer cette quatrième place. Enfin, c'est ce top 4, quoi. Tu as un certain nombre de points d'avance, je veux dire, avec. C'est, là, on ne parle même plus de réussir à faire 10 victoires lors des 10 derniers matchs pour la Juve. On parle juste de respect, tu vois, de Newey qui réussit le minimum syndical. Vous l'aviez dit, l'effectif, il est là. Je veux dire, oui, il y a une nette cassure. Oui, cet effectif n'y arrive tout simplement plus. Mais tu as largement la capacité de prendre, on va dire, 9 points entre Cagliari, la Salernitana, Vérone. Sauf cataclysme absolu. J'ose pas imaginer la Juve hors Ligue des Champions, je sais pas comment vous le pensez, mais je pense que la Juve ira en Champions. Et dernière chose, une dernière question qui vient du chat, je trouve intéressante d'ailleurs, qui dit: en cas de départ d'Allegri, y a-t-il des noms qui ont été mentionnés pour coacher potentiellement la Juve la saison prochaine? Moi, j'ai lu que la priorité, c'est Motta. Est-ce que toi, tu confirmes ça ou il y a potentiellement d'autres noms qui sont sur... Qui sont sur les petits papiers de la Juve. Beaucoup rêvent de Zidane, des Conte, etc. Ce n'est pas ce type de profil que la Juve ira chercher. D'une, parce qu'économiquement, ça coûte bien, bien plus. Et parce que c'est une vision des choses. Aujourd'hui, la Juve a un projet jeune très intéressant. Encore une fois, peut se vanter d'avoir une capacité d'un centre d'information qui est en train d'exploser année après année. Et l'objectif, c'est de prendre un jeune entraîneur, peu cher, mais qui a une certaine idée, une philosophie totalement différente de Max Allegri. Tu as raison, Thiago Motta, mais c'était déjà le cas l'été dernier. Où malgré tout, malgré la confirmation d'Allegri, il y avait eu une certaine évaluation qui avait été faite avec une liste de noms. Mais on se situera dans ce type de liste-là, des Thiago Motta, des Vincenzo Italiano, à pas exclure notamment des jeunes entraîneurs aussi à l'étranger, pas seulement être focus sur l'Italie. Donc, ça ne sera pas des Zinedine Zidane pour être plus ou moins franc. C'est pas ce ou des Jurgen Klopp. Voilà, je sais que voilà, beaucoup ça fait rêver les clubs, etc. Mais dans le moment actuel de la Juve, dans une certaine idée, aussi dans une capacité économique, ça sera plus par exemple Paladino aussi, qui fait partie aussi de cette liste. C'est ce type de nom, je pense que vous avez compris, plus ou moins l'identikit. Non, c'est clair. Toi, Gualtiero, et on termine là-dessus, et Vincenzo, quel non, type de profil moi, je trouve que. En plus, c'est vrai que j'en ai pas parlé pendant les actus, de ce qui s'est lu, Vincenzo Italiano et Comiso se sont mis d'accord pour qu'en fin de saison, il y ait séparation. Donc potentiellement, tu as un entraîneur comme Italiano sur le marché dès cet été. Toi, tu verrais qui, par exemple, à la Juventus Et à savoir que Allegri, c'est la prochaine, c'est une option, hein, c'est ça c'est non, une... non, non, fin de contrat, 30 juin 2024. Donc non, même pas une option, c'est une... ce qui figurait dans le contrat. D'accord. Ah, ça a été un 3 plus 1, c'est ça, au cas où… Okay. Non, c'est un contrat de 4 ans. Agnelli lui avait fait un contrat de 4 ans jusqu'au 30 juin 2024. D'accord, ok. 2025, ouais, pardon, 2025. 2025, quoi, c'est ça. Ouais, okay. Ouais, j'avais compris que c'était 2025 aussi. C'est 2025, j'ai dit 2024, 2025, ouais. Il lui reste encore une année de contrat. Ok, elle n'est pas en option. Okay, ouais, voilà, là-dessus. Voilà, c'est très subjectif. Je pense que tu as besoin d'un bâtisseur. Comme l'a dit Elvin, tu peux capitaliser honnêtement sur une richesse en termes de formation et même un effectif globalement plutôt jeune, même si évidemment tu as des cadres pour surélever tout ça. Donc l'idée serait repartir quand même sur un projet un petit peu plus novateur. C'est pour ça aussi que factuellement, là il parlait par exemple d'entraîneurs comme Zidane, etc. C'est peut-être pas non plus le mieux, je pense, pour le board côté Juve, que ce soit économiquement et même presque sportivement, même si évidemment c'est des entraîneurs de renom. Personnellement, parce que c'est très subjectif, hein, si tu me demandes quel coach serait le mieux, moi je voyais bien Tudor pour rester dans la lignée de la défense à 3 et pour avoir quelque chose de cohérent, même au-delà de ça, même aussi sur la question de la DNA, enfin de l'ADN, quoi. Tudor, on connaît évidemment son attachement à la Juve, donc j'aurais trouvé ça plutôt cohérent. Après voilà, bon bah du coup l'option est éliminée. Alors là, si tu me demandes quel coach, franchement je ne vais pas commencer à sortir des noms pour sortir des noms. Évidemment qu'il y a plein de choix intéressants. Après, je pense qu'aussi, on est aujourd'hui en mars. La réalité peut-être de cet été sera différente. Donc, il faudra voir aussi, je pense, à partir de ce moment-là, ce dont a besoin principalement la Juve pour se pencher sur ces cas. Mais voilà, la Juve reste quand même un club, même si elle est en difficulté, attractif. Ce n'est pas n'importe quel nom. Donc, je suis persuadé que voilà, ils n'auront pas de problème à trouver quelqu'un qui pourra leur correspondre si Allegri venait à partir. Parce que ça, moi, personnellement... Il y a encore une Copa où il est en jeu, il peut se qualifier en Ligue des Champions. Je pense qu'il faut il faut enlever aucune possibilité. Ok, toi Vincent, et en clôture. Moi, ça me fait quand même peur, cette transition que la Juve va avoir avec un autre entraîneur. Après, je dis pas, Allegri, pour moi, c'est
voilà, je... c'est pas un coach, mais j'ai peur qu'avec Mota ou avec Paladino, s'ils prennent un des deux, Mota ou Paladino, j'ai peur qu'ils se brûlent les ailes. J'aurais plus comme Italiano à la Juve. Moi, en tout cas, si j'étais Juventino, je préférerais avoir Italiano. Pour le module, ouais, la défense à 4. Après, la Fiorentina, bon, ici, c'est vrai que des fois, ils ont quand même des défaites, mais ils ont un beau jeu. Je pense qu'Italiano a fait pas mal de preuves. Mota, je crois que c'est sa deuxième bonne saison. Et Paladino, bah, il a trait de Monza. Voilà, Monza, c'est pas la Juve. Et Monza, on va dire, il joue plus le maintien. Quoi. C'est un récent promu, quand même, pas cette année, mais de l'année d'avant, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, Paladino, Détroit, c'est celui qui a, on va dire, plus de liberté. Italiano, la Fiorentina, bah, elle est quand même dans le top 10. Et Mota, c'est la surprise avec Bologne. J'ai peur qu'ils prennent Mota, qu'ils se brûlent. Quoi. Moi, j'ai vraiment peur. Ok, bah en tout cas, on verra, affaire à suivre hein, là-dessus. Comme dit, si vous voulez avoir les renseignements autour de la Juventus, suivez Elvin sur sa chaîne YouTube également, sur lequel je fais des quotidiens, des débriefs quotidiens, et sur les réseaux sociaux, principalement bah, Twitter, sur lequel tu es le plus actif. Dans le chat, bah, voilà, bon, des chances à la Juve si le Def ne sort pas des poules à l'Euro, j'en rêve. Bon, je pense que la Juve aura déjà pris. aura déjà pris la décision, je pense pas qu'ils attendent ils attendent la fin de l'Euro. Enfin, j'espère pour eux, parce que sinon ça serait grave d'attendre. J'ai l'impression qu'il existe une raison extra-sportive qui explique cet attachement à la direction d'Allegri. Sinon, comment expliquer le fait de garder un entraîneur qui détruit le club? Enfin, bonne question. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour par rapport à ce live. Comme dit, lundi prochain, on se retrouvera, on pourra parler peut-être un peu plus profondeur des matchs en Europe, surtout côté ce fameux quart de finale 100% italien Milan-Roma. Bref, voilà. Je voulais remercier tout d'abord Vincenzo pour ta première. Merci beaucoup de nous avoir partagé tes avis. J'espère que c'est pas la dernière fois. En tout cas, en courant. Voilà. J'espère aussi. Moi, je suis dispo. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, Vincenzo. Gual, grazie mille, comme d'hab. Toujours au top. Et merci beaucoup, Elvin, d'avoir une fois de plus accepté notre invitation. Et j'espère que ce n'est pas la dernière, comme d'habitude. Mille merci pour tes avis. Avec plaisir, les amis. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup dans le chat. Une fois de plus, vous avez été très, très nombreux. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo. Et bien entendu, le replay sera tout de suite disponible après la fin de ce live. Donc, pour ceux qui regardent, le replay, vous avez en dessous dans l'onglet commentaires le choix, enfin la possibilité de nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur ce qu'on a dit sur ce live. Moi, je vous embrasse tous très très fort. On se retrouve donc lundi 21h15 pour parler toujours de football italien. Très bonne soirée à tous et voilà, bonne semaine. Ciao, ciao. Ciao. Ciao les gars.